Et salut tout le monde et bienvenue, je suis Linklegeese pour vous servir et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi, pour la suite de l'aventure Final Fantasy. La suite, on continue Evensward Plus après tout ce qui s'est passé, après beaucoup d'événements beaucoup trop stylés, notamment les dogs, notamment les guerriers des ténèbres. Mais pas que, il y a eu tellement de choses qu'on ne pourrait pas tout résumer, donc bah, allez voir les rediffs. Et ce soir, bah, on continue. Avant-dernier épisode de Evensward Plus, ce qui veut dire qu'on se rapproche, j'allais dire, dangereusement du démarrage de Stormblood. Et ça, ça va être très très cool. Puisque j'ai déjà ma classe qui est prête, qui est équipée, qui est reskinée pour l'occasion. Mais vous verrez ça à bientôt. Et pour le coup, eh ben on y va. On y va, on y va, on se lance, et puis voilà, tout simplement, c'est la l'histoire, tout ça, et on y va. N'est-ce pas qu'on y va, Blue ? Ah, l'histoire. C'est quoi ? Pardon ? C'est quand même chiant les grottes, hein, parce que bon, ça résonne. Hein. T'as chassé Baragouin ? Ah, ça c'est pas. Non, parce que sinon, là, c'est quand même mieux quand on sort d'une grotte. Ouais, non, y a un moment, c'est chiant. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Eh oui, oui, oh. Oh. Oui. Oh. Oui, ouais, bon, hein, oh. Eh oui, oui, oui. Ça marche trop bien, c'est génial. Je m'entends en retour, mais c'est des barres. Ah là, mais c'est... Je sais pas qui c'est le mec qui m'a refilé ce truc-là, mais c'est juste génial. Ça marche. Franchement, si je l'attrapais, lui. Ah, mais... Déjà, je lui ferais une grande tape dans le dos. Ah, je te lui ferais bouffer son micro, moi. Non, mais... Bon, sinon, ça va bien ? Eh ben, très bien, toi. Ça, c'est l'histoire ! Donc, ça va bien. Oh, l'histoire ! L'histoire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. Je ne sais pas la suite. Ah mon dieu. Ah, ça commence bien, tiens. 1 minute 42 de life. Ça va très bien. Eh oui, bah oui. C'est bon. Hein ? Voilà. Ouais. Au moins, ouais. Bon, du coup. Il paraît qu'il y a une histoire à faire. Franchement. Si peu. Grave. Voilà. Hein. Quelle idée, ces gens qui font des histoires, non, mais n'importe quoi. Qui fait l'histoire dans un Final Fantasy, quoi, je veux dire. Ben, franchement, on se le demande. Mais. Vraiment, À quoi ça sert ? C'est vous ! Bref. On les voit. Et on vous juge. Bon. Oui, non, parce que bon. Voilà, on va se bouffer, parce qu'on est bien. Elle va pas mûrir quand même. Bah on va essayer, hein. Bah ce serait con. Il paraît que c'est chiant, c'est pas bon pour la santé de mourir. Il paraît, il y en a quand même, ils ont eu des problèmes. Cela dit, c'est très rapide. Non mais le truc qui m'énerve, c'est qu'on a les mêmes références, quoi. Bah chiant. Oui, non mais, c'est chiant. Euh...
Ça, ah ouais, référence de vieux là, franchement, c'est chiant. Pourquoi j'ai gardé ça? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, non, mais tellement. tellement. Mais ces deux mecs me font hurler de rire. Ah oui, non, mais ouais. Oui, je confirme. Oui, avant qu'on commence. Allô? Ouais. Je. avant qu'on commence. Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai foutu Paladin 60. Oh, le mec. J'ai foutu Guerrier 60. Mais le mec. Eh ben, hey. Et Mage Blanc et Astromancien 53. Okay. Ça s'approche, j'aurai bientôt tout à 60. Et moi, sur ce personnage, bah, j'ai rien foutu. Voilà. T'as foutu... t'as foutu Mage Blanc pas... 55. J'ai même pas ma classe pour Stormblood. Non, mais tout va bien. Tout va bien. Mais oui, au fait, d'ailleurs. En parlant Stormblood. Pour moi. j'ai rien fait. J'ai été à la piscine. Et c'était trop bien. Mais alors, du coup, c'est parce que ça va être l'occasion de tester. J'ai appris le papillonnage. Pardon. Tu sais plus. Bref. Je... Qu'est-ce que ça t'allait dire? Je sais plus. C'est pas grave. Franchement. Ça, bon, ça, au pire. Hein, ouais. Ça reviendra. Au pire, oui, voilà, on dit c'est pas grave et tout va bien. on a rien entendu. Exactement. Donc. Pourquoi il m'a. Ah oui, parce que j'ai changé de place. Donc, Tataru, the Even Sword, épisode 5. Oui. Vas-y, voilà. Enfin, Even Sword plus. Oui. Oui. donc, eh ben, c'est parti. Tumulte en Girabania. Girabania. Girabania, d'accord. Non, parce que, ouais, faut Girabania. Oui, bon, les noms barbares. Hein, vos noms barbares, vous les gardez. Hein. Oh. Exactement. C'est comme. T'es comme quoi encore? Ouais, bah. Resvelgre, par exemple. Oui, Resvelgre, Vidofnir. Genre de nom à la con. Attends, c'était quoi l'autre? Ah putain, je peux pas regarder là, mais. J'ai sa carte en plus. Oui, c'est, avant de partir, il m'a laissé sa carte et tout. Bon. vous m'appelez à ce numéro, hein, si vous avez besoin. Voilà, si t'as besoin d'un transport, tu dis, voilà, je... Non, mais c'est un truc genre Vedes Fesnir. Et jeudi, je suis dans les assurances aussi, hein, donc si jamais. voilà. Donc, Tataru. Sinon, il y a de l'histoire, ouais. Ouais, il paraît. vous tombez à pic. Eh ben, figurez-vous que j'ai un service à vous demander. Oh, pète. Au secours. Ça commence bien. Vous voulez bien vous rendre à la forge de diamant, l'atelier d'artisanat qui se trouve. La spot VD. T'as préparé des habits pour les autres, c'est ça? La maison des splendeurs de Rowena, ça passe. Et moi? À moi? Et moi j'en ai moi? Moi, je vois. Ça sert pour moi? Ça... Non, ah, bah. Ça sert pour la foutre. Ouais, c'est bon. Oui, du coup, Cold Sother. Carte. Ouais, mais je pense que je peux pas shotter dedans, moi, n'est-ce pas? Ouais, non, elle met des petits coups, c'est chiant de jouer à Aura, vraiment. Jouer des micotes, c'est mieux les micotes. Vedrofelnir. Non. Vedrofelnir. Vedrofelnir, voilà. Ah, tes souhaits. Voilà, c'est le dragon avec des écailles, des pointes et tout qui était trop stylé la dernière fois. Atchoum. Ouais. Où sont les six autres? Ouais, il est là. Il a un pagne au-dessus de son pantalon, lui. Mais qu'est-ce que c'est que ce style? Un pagne au-dessus. Pourquoi tu fais ça, Michel? C'est. Non? Si tu mets un pagne, tu mets pas de pantalon, qu'est-ce que c'est cette dissidence? Ah non, sur moi ça fait juste un short.
Pogne Kopwick. Ah oui, oui, c'est le haut. Ah, c'est le haut, le haut, oui. Le oui. Oui, c'est la tenue de moins de 70. Oh, c'est la classe. J'ai rien vu, j'ai pas vu, c'est pas vrai. Et moi, j'ai rien dit. J'ai... quelque part. C'est pour moi. Où ça? Pardon? Bah, je sais pas, t'as dit quelque part. Où ça? Loin. Ah, ça va être compliqué. Genre ici? Oh! Cette quête. D'accord. Ah! Eh ben, appréciez le moment, hein, je. Voilà. Amuse-toi. Est-ce que je suis censé avoir peur tout de suite ou pas? Oui. Ah. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, ne vous en faites pas, ce que j'ai à vous demander n'a rien de compliqué, il suffit de ne plus bouger et d'admirer le spectacle. Nani? Cette quête. Pourquoi il y a déjà ils me regardent, ils ont un grand sourire et que moi j'ai peur? Maître d'artisan de la forge de diamants, êtes-vous prêt? Je peux faire les modes panique? Au secours! Au secours! Et non, coucou Tina! Après. Elle j'ai, Tina. J'ai l'impression que vous êtes nerveuse. Allons, pas d'inquiétude, nous ne vous ferons aucun mal. J'ai encore plus peur! Ouais, oh, c'est quoi ce regard? Oui, où? Oui, où? Qu'est-ce qui m'arrive là? Des choses. Apparemment, ça nous a fatigué, hein. Je. Ouf. Et voilà le travail. Désormais, je dispose de toutes vos mesures au centième d'il me prêt. Mais tu pouvais me demander sinon, non? Ça s'est passé derrière la cheminée. Oh. Oh. C'est bien parce qu'ils m'ont quand même rhabillé. Ils sont quand même sympas. Qu'est-ce que je compte en faire? Ça, c'est mon secret et vous le saurez bien assez tôt. J'ai envie de dire que... Oh mon dieu, tellement de sous-entendus, pardon. Je vois pas ce que tu veux dire. Non, mais... que Tataru prenne mes mesures. À mon avis, je vois mal ce qu'elle peut en faire. Je sais pas, hein, je... À tout hasard, je m'inventerais à dire peut-être des vêtements. Ah, ça va, tu vois un petit peu ce que... Oh. Qui se trame. Oui. Non, parce qu'après, oui, bon, elle peut faire des trucs chelous avec, je dis pas, mais... ça reste d'elle à la fête, ils sont pas anormaux. C'est un peu à ton effigie. Oh, j'avoue, une statue de moi, grandeur nature. Oh. Nice. Je veux. Pourquoi ils se marrent tous? Toi! Arrêtez de rigoler! Nila, t'es voilà enfin. Help! Aide-moi, Ida. Au secours. Ou un clone pour faire des bêtises. Non, un clone, pour, comme ça, c'est lui qui part à la guerre et moi, je vais à Costa del Sol. Faire des bêtises avec le clone? Oh. Il y en a qui vont passer une bonne soirée. Oh. Elfino te cherchait partout et m'a demandé de l'aider à te retrouver. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais on dirait qu'il y a urgence. Ah, merde. Vous voyez immédiatement retourner au salon de l'aube du refuge des roches. Bah je me demandais quand est-ce que ce serait la merde, tiens, dis donc. Ça fait longtemps. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. Ne faites pas attention, Alfino. Ne faites pas attendre Alfino plus longtemps, Nilan. De toute façon, j'ai plus besoin de vous. Oui, oh. Non, mais elle va se calmer, la demi-portion, là. Viendra quand t'auras un primordial devant le nez, si t'as plus besoin de nous. Oh. On va attaquer derrière l'oreille, là. Lui faire avoir des ennuis. Ouais, non, je pense pas que Tataru nous mettrait dans la merde. Hein?
Hein? Pardon? Non, Tataru, elle va pas nous mettre dans la merde. Coucou, j'ai trouvé notre aventurière préférée. Oh, ça doublage! Merci, Ida. Uriangé manque malheureusement à l'appel, mais nous ferons sans lui. Alors, non, il va pas nous susurrer des choses. Tu vas enfin nous expliquer la raison de notre présence en ces lieux? Ou tu vas encore nous faire patienter une semaine? T'as mal Désolé. Parlé. Comme vous le savez, ah, ça fait plaisir de les retrouver, tiens. Ont quitté notre monde, mais de nombreuses menaces pèsent toujours sur Eorzea. Nos activités respectives nous tiennent éloignés les uns des autres, et je crains qu'en l'absence d'un chef, les héritiers ne soient plus aussi efficaces qu'avant. C'est pas moi. Non. Voilà pourquoi je pense qu'il est nécessaire d'élire un successeur à Minfilia. La coordination est effectivement fondamentale ouais, non. Pour garantir le succès bon, d'une intervention. C'est-à-dire que là, dans dès maintenant, je pose un RTT. Je crois que la solution est trouvée. J'ai un chocobo à repeindre qui sonne à la porte. Je peux pas y aller. Faut que j'y aille, du coup, non, je peux pas. C'est chiant. Personne n'a l'air intéressé par ce poste. Et puis, pour être honnête, je crois que tout le monde pensait naturellement que tu prendrais la relève. Après tout, tu es calé en diplomatie et tu es doué pour les longs discours. Ouais, toi c'est bien. Oui, c'est pas mal, je jouais. Qui ça? Moi? Ou sinon, non, mais je suis le chef, mais j'ai lié quelqu'un à ma place. Oh, je suis chef, mais en tant que chef, je nomme un remplaçant. Ma brève expérience à la tête des Braves du Cristal m'a vacciné à vie. Je n'ai pas l'étoffe d'un meneur d'hommes. Je préfère rester un simple exécutant. Si personne n'a envie d'assumer le rôle de chef au sein du groupe, peut-être pouvons-nous essayer de faire ça. Ouais, ça c'est bien, les choses là. Je vote pour. Je vote pour. Clairement, tu seras le notre ami aventurière est sans aucun doute la personne la plus digne de remplir ce rôle. Mais ce serait cruel de lui faire endosser cette responsabilité. Oui, un point pour lui aussi. Oui. Merci. En effet, assurer cette fonction revient à tirer un trait sur sa liberté. Non, c'est mort. Je doute que quiconque d'entre nous soit prêt à mettre ses activités de côté pour le moment. Et à vrai dire, je ne crois pas que ce soit nécessaire, puisque les choses tournent relativement bien, malgré l'absence d'un meneur. Au secours, j'ai besoin Bah oui, c'est vrai que ça va très très bien. Qu'est-ce que... N'ouvrez pas, c'est un piège. Faites comme si on n'était pas là. Qu'est-ce que... Oh, on la voit sitôt, elle, je me rappelais plus. C'est un petit chat. Oh, j'avais ce petit chat. Je vaquais tranquillement à mes occupations quand cette femme est entrée et s'est écroulée sous mes yeux. Mais Nahago ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici ? Yashtola, je t'en supplie, fais quelque chose pour elle. J'adore ce personnage. C'est mon ami. Je m'occupe d'elle. Krill, tu veux bien me donner un coup de main, s'il te plaît ? À nous deux, nous pouvons la soigner plus rapidement. Elle est tellement reposante, en plus. Ah ouais ? Ouais. C'est un petit chat blessé, il faut l'aider tout de suite. Mais tellement classe en plus. Ne t'inquiète pas, nous avons réussi à stopper l'hémorragie. Tu as eu beaucoup de chance, tu sais. Un peu plus et tu y passais. Merci pour votre aide. J'étais consciente du danger que je courrais. Mais je n'avais pas le choix. Je me devais de faire aussi vite que possible. Petit chat ! J'ai emprunté une route gardée par les garles maldais pour gagner du temps. Mais ils m'ont découverte. C'est ce qui explique le triste état dans lequel vous m'avez trouvé. Tout ce qui compte, c'est que tu sois vivante. Merci, Ida. Héritier de la septième aube, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Menago. J'appartiens à l'armée de libération Gwaz. Je suis venue jusqu'ici pour vous transmettre une information de la plus haute importance. Non mais c'est rare. Le Griffon a l'intention de lancer une nouvelle opération qui pourrait mettre en péril des milliers. Ah oui, c'est vrai que l'autre Brucie a récupéré les yeux de Nidog. Oh, ouais. J'ai oublié. Le Griffon. Si je ne me trompe pas, il s'agit du mystérieux personnage qui a récemment pris la tête du mouvement anti-impérialiste. Merci du rappel, Sancret.
C'est exact. Ces hommes et lui projettent d'assiéger la muraille de Baelsar du côté Migwa. La muraille de Baelsar ? L'immense rempart qui marque la frontière entre Gridania et Alamigo ? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille ? Papa Limo, c'est la guerre ! Nous pensons qu'il cherche à la détruire dans le but d'étendre le conflit vers Eorzea. Détruire. C'est trop mignon. Il voudrait donc provoquer une guerre entre les troupes d'occupation gardiennes et les soldats de l'Alliance Eorzéenne pour soutenir leur campagne de libération. Non, parce que si en plus on a vu des, on a vu le doublage des Migotes, on a vu des enfants Migotes. Oui. Si il y a un personnage, une enfant Migote doublée, mais je meurs. C'est de la pure folie. En admettant qu'ils arrivent à s'emparer de l'édifice, il est évident que les impériaux enverront immédiatement des renforts pour le récupérer. Ils ne sont pas de taille contre l'armée Garlemaldaise. Cette affaire sent mauvais, mais nous ne pouvons pas ignorer ces informations. Nous devons les transmettre aux dirigeants des cités-états aussi vite que possible. Oui, bah vous faites ça, et moi je vais faire la guerre, d'accord? Tu as raison. Je m'occupe de prévenir l'amiral Blufiswin. Sans cred, je te laisse contacter le général Aldin. Blufiswin, non mais... Alfino et Alizé, rendez-vous immédiatement auprès de Canessena et expliquez-lui la situation, s'il vous plaît. Du fait de sa position, Gridania est la cité qui court le plus grand danger. Il faut donc que l'oracle se prépare au pire. Ouais, mais c'est pas grave ça. Quant à toi, il faudrait que tu ailles à Ishgard afin d'y retrouver Emmerich. Ça leur fera des pieds. Au vu de ses nouvelles responsabilités, je doute qu'il puisse se déplacer en personne. Mais il faudra qu'il désigne un émissaire pour représenter la Sainte Cité lors de l'assemblée exceptionnelle qui se tiendra à Gridania. Est-ce qu'on a réellement besoin de se rassembler ? Tataru, Krill, je vous confie Menaago. Mais vous aussi, je vais m'occuper de petit chat. Donc veillez bien sur elle. Si personne n'a de questions. L'autre avec sa grosse épée, je dis pas, mais moi je peux soigner. Au travail. Oui ou hein. Bon. Ça va s'accalmer hein. À bien y réfléchir. L'inquiétante nouvelle que nous avons reçue de Girabania était certainement le signe qui a dit que j'étais dissident. Vous avez entendu dans le fond, là. Il n'y a pas de guerre sans sacrifice. La réalité est cruelle et celui qui refuse de l'accepter ne peut remporter la bataille. J'ignore pourquoi, mais ces mots de Maître Louisois résonnaient dans ma tête à ce moment-là. Mais soutenez-la au moins, non ? Tiens, petit chat, papa te casser. Ah, je suis trop gaga avec les micotes, ça suffit. Mais oui, mais c'est vrai. J'ai fait un choix. Celui d'aller au bout de mes convictions, quel qu'en soit le prix à payer. Et toi aussi. Tu dois en faire de même. Rassembler les personnes les plus importantes de... ouais. des régions au même endroit, ça sent le piège, c'est le meilleur moyen de paralyser les troupes. Pardon ? Bah, c'est pas comme si ça s'était déjà passé, oui. Oh, mais jamais. Après, j'ai envie de dire que de toute façon, s'il y a un regroupement de des hauts dignitaires, tout ça, ils vont toutes se barrer avant qu'il y ait la guerre. Donc au final, hein. Oui, si jamais c'est la merde, tout le monde se barre. Donc bon. Ils vont nous laisser dans la merde en plein milieu avec Roban et puis pas. On va se débrouiller. Donc ouais, voilà. Et au pire, il perdra un deuxième bras et puis voilà. Oui, au pire. Et puis comme ça, terminer le chocolat. Ah oui, bah. Au pire, il tiendra son épée avec ses dents, et puis voilà, quoi. C'est... Oui. Ah, un certain manga qui nous a appris qu'on pouvait le faire, donc bon. C'est vrai. Quelque part. Puis, Bon. Même si c'est un katana, j'avoue que... Paye l'épée de Roban, hein. Oui, ça va être un peu lourd, quand même. Disons que tu vas traîner la tête, quoi. C'est... Ah oui. Damelada, quelle bonne surprise! Toujours un plaisir de vous voir parmi nous! C'est la guerre! Jacqueline, c'est la merde! J'aurais jamais cru qu'Alamigo était dans une telle effervescence. Veuillez patienter un instant, je vais immédiatement prévenir Sir Emmerich de votre arrivée.
Et Prudence du Emmerich, prépare les rouleaux, j'arrive. Oh. ça me fait très plaisir de vous revoir, Nélan. Lucien, moi aussi. Si tu savais. j'ai bien peur que nous n'ayons pas le temps de fêter nos retrouvailles. Oh. C'est pas drôle, Michel. Pour faire court, sachez que ce sera un honneur pour moi de me représenter Ishgard à la réunion d'urgence. Toutefois, comme vous le savez déjà, je n'agis plus au nom d'un archevêché tout-puissant. En théorie, ma fonction de président de la Chambre des Nobles m'oblige à consulter mes pairs afin d'élire un représentant pour notre cité. Étant donné les circonstances, nous n'avons évidemment pas le temps d'organiser ce genre d'événement. Mais j'aimerais néanmoins m'entretenir avec le président de la Chambre du Peuple avant de passer à l'action. Savez-vous pouvoir patienter ? Ça dépend, il est où, Michel du Peuple ? Dans ce cas, c'est parfait. Tu crois que ça va prendre 2 minutes, du coup ? Ah bah ça peut, peut-être. Pardon. Quelle que soit la personne qui assistera à la réunion, elle aura besoin d'une garde rapprochée. Lucia, c'est toi qui vas t'en charger. Quant aux autres soldats qui resteront ici, tu confieras leur commandement à Andalou. Oui, chef. Je vais immédiatement me rendre auprès de votre confrère, de mon confrère, pardon, Nélan. Je compte sur vous pour faire vos préparatifs au plus vite, ensuite accompagnez Lucia aux portes du jugement. À très bientôt. Guerre. Ça va chier. Heureusement qu'on peut se téléporter dans ce monde, hein, parce que t'imagines, les gars, tu traverses la forêt pour aller à Ishgard, puis le retour. Ah, bah s'il n'y avait pas les TP, ils iraient se faire foutre, hein. Oui. Non, bah disons que le temps que tu fasses l'aller-retour, la guerre elle est finie, quoi. Ah, bah d'où l'expression arrivée après la guerre. Ah, bah oui, complètement. Michel, nous sommes demandés de nous rendre aux portes du jugement pour attendre le représentant d'Ishgard. À la réunion d'urgence, allons-y immédiatement. Et il a dit, ouais, ça va prendre du temps, j'arrive, à plus. J'imagine que c'est juste dehors. Ah oui, c'est dehors. L'arc des valeureux. Tac. Ça a rouge ici. C'est vrai, ça traite rouge quand même. Qu'est-ce que... Fuck. C'est la chandelle qui fait ça, c'est sans déconner. C'est votre petit lustre qui fait une lumière pareille. Bah, c'est lustre ambiance, hein, je... Ouais. Ah bah tiens, comme je suis, attendez. Après délibération avec le président de la Chambre du Peuple, nous avons décidé d'un commun accord que je représenterai notre cité à la réunion d'urgence de l'Alliance. Nous estimons tous les deux que cette affaire devrait être placée sous la responsabilité d'un spécialiste des affaires militaires et de l'appareil de défense nationale. Mon grade de capitaine général des Templiers me prépose donc assez logiquement à cette charge. Il est possible que cela n'apparaisse pas clairement aux yeux de tout le monde, mais je pense que cette résolution commune est la plus belle preuve qu'Ishgard est définitivement devenue une république. Il est temps, on se casse. Oh, j'ai débloqué les chocobos sur ma Lalafell. J'ai l'impression de me balader avec un poussin. C'est waouh. T'as l'impression de te balader avec un poussin, quoi? Ah, t'as pas eu le début? Si, mais je j'écrivais un truc sur Discord, du coup j'ai pas... j'ai pas fait gaffe. Non, je disais, j'ai débloqué le chocobo sur avec ma Lalafell. Sur ta Lalafell? Ouais, attends, ça coupe, ah. Je relance.
Oui, c'est ok. Oui, donc. Là, ça va, c'était juste un mot qui a coupé. C'est, des fois, j'ai carrément la phrase qui coupe. Non, mais sans prévision. Encore là, ça allait. Donc ouais, j'ai débloqué le chocobo sur la Falpe. J'ai l'impression d'être sur un poussin, littéralement. Oui. Je veux juste voir un truc. Ah. Ah bah oui. Je veux une image d'Atala fait sur à d'autres chocobos. Je ferai ça après le live, ouais. Mais du coup, avant, il n'y avait pas son portrait derrière. Eh ouais. Je voulais voir si ça avait changé, s'ils avaient mis quelqu'un d'autre ou quoi. Eh ouais. Ben ouais. Voilà. Ah, Satana Star est beau sûr. Et GG Tina pour ton level 212. Je m'en vais dire un mot au commandant du camp. J'aimerais que vous m'accompagniez. Deux jeunes personnes que vous connaissez seront ravis de vous revoir. Deux jeunes personnes, C'est ok. Deux jeunes personnes. Attends. J'aimerais que vous m'accompagniez. Attends. Au commandant du camp. Oh ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! Là ! Nélan, ça a l'air pour une surprise. Si un mec, vous êtes là aussi ? Qu'est-ce qui vous amène au camp de la tête du dragon? Ah putain, c'est lui qui est en charge de ça maintenant? Mettez-vous à l'aise, je vais tout de suite vous préparer une boisson bien chaude pour vous revigorer. J'ai pas le temps, c'est la guerre. J'ai pas le temps pour ton chocolat, Michel, c'est la guerre! Merci pour votre temps. Si j'imagine, j'ai pas le temps pour ton chocolat, gars. Hein. Et là, tu t'approches de lui. C'est la guerre! en lui hurlant dessus. Oui. Ah, j'imagine tellement le truc. Merci pour votre gentillesse, mais nous n'avons malheureusement pas le temps de nous attarder. Lucia, veux-tu bien expliquer la situation? Tout de suite, capitaine. C'est la guerre! Eh bah dis donc, je comprends mieux maintenant. Nous devons absolument augmenter les effectifs de nos patrouilles afin de renforcer la surveillance des environs. Nous devrions demander de l'aide à Sir Francel de Cadena ou aux soldats de l'Observatoire. Excellente idée, au nord. Sir Cadena? Oui, c'est Michel, il a toutes les clés. C'est Passepartout! Ah, c'est Passepartout! Et il fait aussi des deux, des trois avec ses mains. bah, faudra voir. Voilà, c'est obligé, sinon c'est pas lui, c'est obligé. excellente idée, Odora. Et je compte sur vous deux pour vous en charger, car en ce qui nous concerne, Gridania nous attend. C'est la guerre! Mais du coup, Honoroi. C'est chiant la forêt, oui? Ouais, bah c'est la guerre. Ouais, bon, c'est vrai. C'est chiant quand même. Eh, Dylan, je suppose que ça vous étonne de me voir au poste de commandant de la tête du dragon? T'as intérêt à faire honneur à son prédécesseur. Sinon t'as une claque derrière l'oreille. Mais oh. En plus, une claque derrière l'oreille d'un elfe, ça doit... Ah, ça doit pincer, ouais. Ah, ouais. Surtout dans ce froid. Ouais. Je vous comprends très bien, j'ai été le premier surpris, vous savez. Car je sais bien que je suis loin de mériter ce fauteuil. Je n'ai clairement pas l'expérience de mon prédécesseur. Ah tiens, pardon, qu'est-ce que je disais? Je relance le Discord vite fait. Ouais. Non, c'était juste moi, parce que j'avais le vocal en orange et des fois en rouge, donc... Oui, je l'avais aussi. Pour ça. Ah, ok. Ah bah, ça recommence. Bon, tant pis. Au pire, on passera sur un truc privé. Oui, au pire, oui. Cependant, je veux que vous sachiez que je ferai tous les efforts du monde pour en être digne, à ma manière. Honoroi est là pour me soutenir. Gamin. Sinon, je viens t'en mettre une. Ah bah là, clairement, il va en bouffer, là, s'il fait le con, ici. Là, t'inquiète pas, les gils pour le TP, je vais les payer pour venir t'en mettre une. Y'a pas de problème.
Et plusieurs fois même. Y'a pas intérêt à faire le con. Parce que non, il a fait le con une fois, il y a une femme qui a failli crever, juste comme ça. Hein. Oui, oui. Et du coup, tu disais quoi, Honorois? Qu'est-ce qu'il y a, Honorois? Oui, Honorois. Mini pouce. Oui, mini pouce. Pardon. Ah bon? Allô? Oui, ouais. Oui. Bleu. oui, donc Honorois. mais du coup, c'est un elfe nain ou comment ça se passe? Ben non, c'est un enfant. Je suis plus grand que lui. Les trois quarts des enfants et les aînes qu'on croise, ils sont plus grands que moi. C'est nul. Ben, c'est un enfant en très bas âge. Oui, alors après c'est un enfant de très bas âge, ça veut dire quoi pour un aînes en vrai? Ça, j'en ai aucune idée. Pas si les elfes dans cet univers vivent plus longtemps comme dans les autres univers, mais... Non, parce que le mec, il est déjà paré pour la guerre et tout, donc bon... Oui, bon, on considère qu'il est en stage au pire. Non, parce que dit comme ça, t'as l'impression qu'il y a un mois, le mec, il faisait des... Et puis, mois suivant, il part à la guerre, quoi, donc bon... Oui, non, mais c'est des elfes, hein, voilà, bon. Oui, c'est oui. Bon, ça restera un elfe nain. J'aime beaucoup l'idée. Ah, oui, c'est peut-être un elfe atteint de nanisme. Qui sait? Eh, peut-être. Il y en a peut-être, hein. Ouais. En plus, il parlait avec la voix d'Harry Potter, donc... je dis, hein. Ah, putain, oui. Non, mais ça... J'étais sur le cul. Mais tellement... nous voilà enfin à Gridania. J'y suis venu de nombreuses fois par le passé en tant qu'agent diplomatique, mais la splendeur de la forêt de sombre linceul ne cessera jamais de m'émerveiller. Et là, ce n'est pas cette fois non plus. C'est une forêt, Michel. Oui, c'est une forêt, quoi. C'est pas cette fois non plus que j'aurai l'occasion de me prélasser à l'ombre de ces magnifiques feuillages. Qui sait, peut-être que des circonstances différentes me le permettront un jour. Voyez, oh, le mec, il vient là pour la guerre, il pense aux vacances, là-haut. Oui. C'est pas de rouleau, attention, hein. Tu veux attaquer aussi? Oh, spaghetti à carbonara. Non, mais il y a de la thune, c'est bien la thune. Parce qu'avec la thune, on peut s'acheter plein de spaghettis. Bah oui. Et salut, Hello D. Hello. D. D. Pardon. Là, fallait la faire un jour. Ok. Il y a eu le jeu de mots à la con et la notif juste après. Oui. Bon. qu'est-ce qu'il nous dit le chat de Elodé? Il nous dit Ninja. D'accord. Merci beaucoup Elodé de ta générosité. Merci beaucoup. C'est les pièces qui arrivent en mode fufu là et ils font Ninja. Ah, mais j'imagine tellement, tu sais, la pièce qui se balade avec des petites jambes et des petits bras, c'est... Ninja. Ouais, d'où elle débarque, elle? Oui... oui, donc... Jacqueline, elle a débarqué du haut de mon écran, comme elle a fait. Elle t'a un peu sauté par-dessus. Ah, ça doit être ça. Je sais mais qu'on n'est pas très grand, mais quand même. Oui, non, mais oui, rebaissez-moi encore plus. Maintenant que nous sommes là, il nous faut aller à l'endroit où se tiendra la réunion, selon le garde de Vipère qui est venu, et la chair du Lotus. Oui, bah, ça, bon, c'est aussi. Oui, on connaît l'adresse. La druidesse, allons-y. Oui, c'est fait. Il est déjà 2,5 poignées. C'est pas mal, c'est le garde, il l'a dit. Alors, si le garde l'a dit. Pas par là. C'est pareil.
Voilà. Et du coup, avec tout ça, je sais même pas comment ça va éloder, tout ça. Oh, petit chat paladin. Elle est mignonne en plus. Ah, elle est classe. Ouais. De toute façon, on dit qu'il s'agit d'une micote. Hein. Oui, de toute façon. Bon. Vous accompagnez, voici l'envoyé de l'IMSA. Ah putain, y'a l'air. Oh, y'a Yugami! Sa copine! On dirait que nous sommes les derniers à arriver. Bah, toujours les mêmes qu'on attend, hein, je veux dire. Elle parle pas mal de Yugiri dans Méo. Non, mais Yugiri, elle est allée lentement parce qu'elle l'attendait Merlouib, c'est voilà. C'est... Ouais, ou alors c'est Merlouib qui a mis du temps à se préparer et Yugiri l'attendait gentiment devant la porte. Ouais, ça je pense que c'est ça. Voilà. C'est à cause de Merlouib que Yugiri t'a. Donc c'est. Non, c'est bon, c'est safe. Ouais, voilà. C'est valide. Et puis c'est une ninja, elle peut pas être en retard. Ouais, c'est vrai. Sir Emric, c'est un honneur de participer à cette conférence. C'est un plaisir. Ouais, c'est pas un plaisir de te voir, moi, Jacqueline. Hein. Par contre. Tu m'as l'air en pleine forme. Regarde avec qui je suis venu. Ah, t'as compris. T'as compris. Contente de vous revoir, dame Elena. Messire Riol m'a appris que les héritiers de la 7ème Aube étaient enfin au complet. C'est une excellente nouvelle. Riol. Ah, c'est le blond avec son tatillage, bien sûr. Ah, t'as vu mon nouveau tatillage? Moi, j'aime bien faire des tatillages. Putain. Mais va raviser ton français. blond avec tatouage sur la tronche, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas celui qui était chez les Gabiers d'ailleurs? Peut-être. Il me semble. Oui. Je sais plus. J'aimerais beaucoup continuer à tailler le bout de gras avec vous. Non, mais je m'en fous, je veux pas te parler, moi. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Gridania. Nous sommes réunis ici aujourd'hui car quelque chose de grave se trame du côté de Girabania. En effet, les informations que nous vous avons relayées viennent directement d'un membre de l'armée de libération migoise. Il n'y a donc pas lieu de douter de leur véracité. Même si ce griffon arrive à prendre la muraille de force, il ne pourra pas la conserver longtemps. Ce qui m'inquiète, c'est que les troupes envoyées pour récupérer la fortification pourraient profiter de l'occasion pour déferler en nombre sur Sombre Linceul. Lors de la bataille de Cartenau, l'Alliance Eorzéenne a tout juste réussi à faire jeu égal avec les survivants de la 7ème Légion Impériale. Gridania seule ne pourra jamais résister à une attaque massive de l'Empire. Ça fuit encore! Oui. Il y a 5 ans, le Saint-Siège a ignoré les appels à l'aide de l'Alliance Eorzéenne. Je tiens d'ailleurs à vous présenter mes plus sincères excuses pour ce que je considère être un acte d'une bassesse sans pareil. Ishgard a changé depuis. Et elle ne laissera pas ses alliés seuls face au danger. À ce titre, je suis prêt à envoyer un bataillon d'infanterie pour renforcer les rangs de l'armée gridanienne, si Dame Kanesena m'en donne l'autorisation, bien sûr. Et le charisme de ce mec. L'Empire de Garlemald est l'ennemi juré des Domiens. Nous n'avons pas autant de ressources que les Ishgardais, mais nous pouvons malgré tout mettre quelques-uns de nos meilleurs éléments à votre disposition. Merci à tous les deux. J'accepte volontiers vos offres respectives. Bien. Je propose que nous élaborions un plan d'action au cas où l'Alliance devrait entrer en guerre. Êtes-vous d'accord? Oui! La guerre! La guerre!
de l'action, des gens à tuer. Nous sans attendre au travail. Des trucs sur lesquels que la victoire appartient à ceux dont le jugement est prompt. Tiens, pourquoi ton pote s'en va là? Allez-y, barrez-vous, y'a pas de problème. Attends, what? Mais où? Mais. T'as Roman qui est en mode bon, nous devons préparer un plan d'action. Je suppose que c'est le choix de. Et puis là, y'a tout le monde. La solution idéale serait de chasser les impériaux. Oh, nous avons besoin d'un plan. Bon, bah, du coup, on se classe. Nous n'en avons pas les moyens. Qu'est-ce que tu en penses, Alfino? Je suis du même avis que toi. Les dirigeants ont pris la meilleure décision possible dans ces circonstances. Toutefois, j'ai le sentiment d'avoir manqué un détail important. J'ai peur que nous fassions exactement ce que le Griffon attend de nous. Mmh. Oh oui. Parce que ce con, il a les yeux de Nidog. Et que ça va partir en sucette. Encore. C'est la merde. Quand je dis qu'on aurait dû les détruire, c'est putain de... Alors... On peut dire que cette réunion d'urgence aura été simple et efficace. Comme disait ma sœur, nous allons devoir faire avec les moyens du bord. Mais je suis convaincu que le plan d'action de l'Alliance Eorzeane sera rapidement mis au point. Bah sauf si tout le monde se casse, hein, parce que... vous êtes encore là, j'avais peur que vous ne soyez déjà rentré. Sir Emmerich. Ravi de vous retrouver, mon cher Alfino. Et ravi de vous voir à nouveau en pleine forme, Dame Alizée. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je tenais juste à remercier Nilan de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je suppose que vous méritez également ma gratitude, Domien. Ouais, elle était cachée derrière l'arbre. Comment ça se planque? J'avoue. Eh bien, vous avez l'œil. Veuillez m'excuser, mais la dissimulation est l'essence même du ninjutsu. Il est difficile d'aller contre sa nature. Voilà les paroles dignes d'une ninja. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas hésité à nous soutenir lorsque nous avons demandé des renforts aux Gridaniens pour protéger nos terres. Soyez-en remerciés. Je ne nierai pas qu'Ishgard a longtemps ignoré les appels à l'aide de l'Alliance Eorzeane. Pour cette raison, je considère que nous avons une grande dette envers tous ses membres. Ceci dit, les dirigeants des autres nations ont l'air très peu surpris d'entendre des excuses officielles de ma part. Il est vrai que jusqu'à présent, mon pays ne les avait habitués qu'à de la froideur et... Hein ? Ah non, ils ont eu l'air très surpris, pardon. Mon pays ne les avait habitués qu'à de la froideur et de l'indifférence. Grâce à votre judicieuse intervention, Dame Kanesena a immédiatement accepté mon offre de renfort. Encore une fois, je tiens à vous réitérer mes plus sincères remerciements. La froideur. Vive dans la neige. Pardon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure... Les gars, oh putain. J'en fais tomber mon micro. Ah merde. Les gardes de Madé sont les pires ennemis de dommage. J'apprécie grandement votre amabilité. Mais je n'ai fait qu'agir pour mon peuple et vous n'avez pas à m'en remercier. Accordez-moi l'honneur de me battre à vos côtés contre l'Empire et nous serons quittes. Cela va de soi et vous pouvez être sûr que cet honneur sera partagé. Chers héritiers, transmettez mes salutations à vos camarades. Nous nous reverrons tous très bientôt. De guerre. Voilà, ces hommes d'État. Pourquoi emploient-ils un langage aussi compliqué? Ils peuvent pas simplement dire désolé ou merci comme tout le monde? Non, mais en vrai, je commence à vraiment l'apprécier, Alizé. Ouais, pas trop souvent. C'est justement ce qui les rend si particuliers, non? À mon avis, c'est beaucoup de parlotte pour pas grand-chose. Hein. Bon, puisqu'on n'a plus rien à faire ici, retournons au refuge des roches. Dame Ugiri, vous allez au glas des revenants, je me trompe? Si vous voulez, vous pouvez nous accompagner. Je vous rejoindrai plus tard. Je dois d'abord aller voir Ida et Papa Limo au refuge pour prendre la température auprès des sylphes et voir ce qui se trame du côté de la muraille. À bientôt. Prendre la température des sylphes. Eh,
Dégueulasse. Ça va. Bref, ça passe. Oui, hein, ouais. Bon, bah cette fois, il y a plus qu'à tuer le griffon et détruire les yeux cette fois-ci. Oui, bah je... oui. Mais moi je l'avais dit à la base de détruire les yeux, mais bon, j'ai fait ouais non, jetez-les, tout ça, ils seront oubliés, machin. Ouais. Mais il y a toujours un ancien dedans, c'est chiant. J'ai envie de dire mon œil. Pardon. Vous voulez que je vous dise? Cette réunion de remplie de grands pontes et Orzea m'a ennuyé au plus haut point. Ah, quelle bande de prétentieux. Enfin, je suppose que vous avez l'habitude. Ça, c'est pas idée. Ce qui me surprend le plus, c'est de voir Alfino parcourir monts et vallées pour s'assurer que tout le monde va bien. Alors ça, si on m'avait dit que ça arriverait un jour... Des thunes ! Juste un tour ! Orchestrion ! Oh ! Notre rouleau. Ah non, c'était une autre brique. Ah oui. Avec des briques en plus. Quoi? Non. Bon, c'est pas tout ça, mais on risque pas de faire avancer les choses en restant planté ici. Hein. Vas-y, oui. Allons entendre Alfino et les autres au refuge des roches. Qui rentre avec son chocobo dans la taverne, non mais c'est n'importe quoi. J'avoue. C'est le mec, franchement, quoi. Plus aucun respect. Après le machin, il va s'asseoir sur les tables et tout. Content de vous revoir, les amis. On dirait que la réunion d'urgence à Gridania s'est bien passée, mais dites-moi, où sont Alfino, Ida et Papa Limo? Ils sont là! Parce que le scénario fait bien les choses. J'avoue. Nous voilà, excusez de vous avoir fait attendre. Mais où sont-ils? Et là, paf! Et j'arrive. Ah, si seulement Michel était là, paf! Il est là. salut tout le monde, au fait Krill, comment va Minago? Ah oui, Poticha. Beaucoup mieux, elle est en train de dormir dans sa chambre, pas la peine de vous inquiéter, Tataru ne la quitte pas d'une semelle. On peut aller lui faire des poipoi. Le gars tellement gagné des micotes, il est tellement relou, tu sais. Peux lui faire les poipoi sur ses oreilles. Oh mon dieu. Je lui ai rendu visite pas plus tard que tout à l'heure et je peux vous assurer que sa plaie c'est déjà cicatrisé. Encore un peu de repos, elle sera entièrement rétablie. Voilà au moins une bonne nouvelle. Raconte-nous comment s'est déroulée cette réunion. C'était chiant et ils vont faire la guerre. On s'est réunis, on a parlé, et c'est la guerre. Et puis au moment de faire un plan, et tout le monde s'est barré. Du coup, je sais pas ce qu'on fait. Les différentes cités-états avec Ishgard en première ligne ont résolu d'envoyer des troupes en renfort à la forêt de Sombre Linceul, l'Alliance... et décidé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour parer à n'importe quelle éventualité. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils n'uniraient pas leurs forces avec le griffon pour frapper les Garlemaldés de plein fouet? Oui, et puis quoi encore? Bah non. Ça va pas bien, non? Bah Michel, il a les yeux de dragon, moi je me... Non? Ouais, c'est chiant. S'ils se font attaquer à la fois du côté de l'Amigo et de Gridania, ils ne sauront plus où donner de la tête. Ida, ça te dérangerait pas de réfléchir un peu avant de parler? Tu crois tout de même pas que nous allons déclarer la guerre au tout puissant empire d'une manière aussi frontale? Papa Limo ne mâche pas ses mots, mais il a raison. Il serait imprudent de faire monter la tension sans un plan minutieusement préparé. Si seulement nous pouvions dissuader le griffon d'agir trop imprudemment. J'ai peut-être une idée. Les soldats de l'armée de libération migoise ont creusé des galeries souterraines qui longent les souterrains de la muraille de Baelsar, afin d'aider les déserteurs potentiels à s'échapper. Si je comprends bien, tu veux aider quelques-uns d'entre eux à parvenir jusqu'à l'Amigo
pour qu'en les voyant, le griffon se rende compte qu'il existe des alternatives à ses plans belliqueux, c'est bien ça? Exactement. Ça nous donnera un argument de poids pour négocier avec lui. Si personne n'y voit d'objection... Objection! Objection! Je compte me charger de tout ceci personnellement. Attends un peu, t'as quand même pas l'intention d'y aller sans moi, j'espère. Je m'entends nettement mieux avec les Miguas que toi, je te signale. D'accord. Si votre décision est prise, laissez-moi vous accompagner. Mes compétences de ninja seront nous seront très utiles pour nous infiltrer discrètement en territoire ennemi. Dans ce cas, je viens aussi. Ça fait bien longtemps que je me suis pas battu à vos côtés, Yugari. Ouais, bon, vous êtes chiant. À un moment, qui c'est qui vient pas? Oui, je... Ça suffit, hein. Bon, ouais, bah, bonne chance à vous. Krill et moi, allons retourner vaquer à nos occupations. Et toi, Elfino, qu'est-ce que tu comptes faire? Non, mais je te la viens. J'attends, fais pas les oreilles. Ah non, mais j'imagine tellement la guerrière de la lumière, tellement relou, elle fait des poi poi aux oreilles de toutes les micotes, tu sais. Fait des gratte gratte sur la tête de toutes les micotes. Tu sais, avec la tête en mode chibi, genre. C'est ça. Ah mon dieu. Les yeux écarquillés avec plein d'étoiles et la bouche grande ouverte là. Ah, j'ai tellement l'image en tête maintenant. Moi aussi. J'ai l'intention de retourner dans la forêt de l'Est. Vas-y. Ouais, bah, va dans la forêt. Hein. J'aimerais beaucoup vous m'y rejoigner. Ah non, c'est chiant là. Non. Votre aide me sera précieuse comme toujours. Quant à toi, Alizé, je sais bien que ce ne sera pas vraiment à ton goût, mais la meilleure chose que tu puisses faire est de rester ici pour servir de lien entre nous tous. Comment il lui laisse même pas le choix, tu sais. Allons bon, on l'a réduite au rôle de concierge maintenant. Mais ça me changera les idées. Et puis il faut bien que quelqu'un se charge des tâches ingrates. Ouais, bah, sinon on a Tataro pour ça. Ouais, mais elle est en train de faire des poi poi. Ah oui, c'est vrai. Oui, il faut absolument que quelqu'un fasse des poi poi. Bah oui. Faites bien attention à vous surtout. Vous me faites peur des fois, les garçons. Bon, ça fait des poils poils aux oreilles déjà. On va partir. On a accès à la chambre quelque part. Où est-ce qu'on peut faire des poils poils? Chambre ici. ça va. Jacqueline Ménago, il y a Poitichat. Attends. Elles sont où les chambres? Non, parce que du coup. Bah, j'avoue. Tout à droite, il y a du bordel des étagères et tout. Devant, c'est le salon. Et elles sont où du coup? Ouais, je crois qu'on n'y a pas accès. C'est privé. Ah, il y a peut-être eu. Ah, c'est peut-être derrière cette porte qu'on peut pas ouvrir. Jacqueline Potichat, y a quelqu'un? Vous êtes prête à notre première destination? On se trouve la hutte des Hauts-Ors, dans la forêt de l'Est, il y a un avant-poste des deux vipères, la muraille de Baelsar, en route, on y va. Bon bah go! Attends, va petit chat! Non, attends. Je t'envoie un bisou en wifi, hein. Attends, on peut... C'est pas... Nul! Je peux... Ah oui, non. Elle aussi, il faut lui faire des câlins en wifi, c'est chiant. Ah, on aura pas d'autres occasions de faire poi-poi, pas grave. Oui. Et là, c'est la révélation de mon perso, mais je peux me faire des poi-poi moi-même. Mille de Dieu. C'est toujours avec la tête avec les yeux plein de petites étoiles et tout. C'est ça. Oh
Ah mon dieu. C'est pas genre dans Shrek que t'as le chapeauté, à un moment il a un bonnet et il y a genre le pompon qui lui tombe devant les yeux et puis il fait ouais. Eh ben t'imagines la Nicole faire ça avec ses oreilles là. Ah. Oh mais oui. Oh je veux. Oh mon dieu. Oh je veux tellement. Ah. Oh. En fait c'est ça, c'est une emote où comme quand un chat fait sa toilette sur sa tête là, tu sais. Oui. Bah il faudrait une emote comme ça. Mais totalement. T'as tes mains qui passent sur tes oreilles. Mais je la veux totalement cette emote. T'as qu'à faire des poi poi à Blue. Mais il a pas d'oreilles lui, c'est chiant. Bah oui, c'est des cornes, c'est pointu, c'est dangereux. Ouais c'est chiant. Il y a plus de crevé à l'œil après, c'est chiant. Bah oui. Ça quand même con de vouloir me faire des poi poi et qui se plante le doigt sur les cornes. Ah mon dieu. Je veux juste arriver, j'ai profité de votre absence pour discuter. Attends. Je viens juste d'arriver. Tu dis qu'on est en retard aussi, oh. Non mais attends, je viens juste d'arriver. Et j'ai profité de votre absence pour discuter avec les officiers. Comment en étant juste arrivé, il a eu le temps de... Enfin bref. Il m'a dit que les représentants de l'Alliance prévoient de se réunir à la tour d'Amaris Saïx. Amaris Saïx, j'imagine. La tour. Cette tour. Du haut de cette tour, nous pourrons facilement observer les allées et venues des impériaux ainsi que la muraille de Baelsar. Mmh. Je crois que nous avons trouvé notre prochaine destination. Vous êtes là, nous voulions vous prévenir que nous sommes sur le point de nous mettre en route. Parfait, vous êtes tous des combattants hors pair et je ne me fais guère de soucis pour vous, mais gardez bien à l'esprit que Garabanir est truffé de soldats impériaux qui peuvent vous tomber dessus à tout moment. Soyez très prudents. En fait pas, c'est comme si c'était fait. Nous allons attraper le griffon par la peau du... Ah oui. La peau du dos, oui. Et le convaincre de faire ce qu'on lui dit, qu'il le veuille ou non. Et voilà que tu recommences. Non mais franchement, tu crois vraiment que nous arriverons à nos fins par la force? Je me demande vraiment si tu finiras un jour par utiliser ta tête, hein. Nous devons convaincre le griffon en négociant, rien d'autre. Mais arrêtez de parler mal à Ida comme ça. Bah oui, j'avoue. C'est chiant. Je sais, mais je te laisserai cette partie du travail. Quand il s'agit de parler, il n'y a pas plus doué que toi. Bon, on va y aller, hein, sinon je risque de m'énerver pour de bon. A bientôt vous autres, et prenez soin de vous. Michel, c'est l'autre côté pour partir la guerre. Décidément, rien ne changera jamais entre Ida et Papa Limo. Enfin, nous ferions de nous mettre en route, nous aussi. En route aussi, pardon. Je suis sûr qu'un éclaireur des deux vipères se fera un plaisir de nous accueillir à la tour. Oui, voilà, c'est par là-bas la guerre. C'est, oui. Là, parce que techniquement, s'ils partent par là-bas, ils repartent à Grisania. J'ai ça comme ça. Ah oui, non, mais c'est ça, bon. Là, ils ont pas le GPS intégré. Hein. Ah ouais, bah ouais. Ah, mais c'est la grande tour là-bas, ok, d'accord. Hmm? Avec Laurence Paravis? Ah oui, c'est avec Laurence Paravi. Putain. C'est pas cette allée d'ailleurs qui donne une mascotte. Je sais pas. Je crois que comme c'est un allée de groupe, il me semble. Hein, je l'ai jamais fait celui. Ouais, allez go, on y va. Oui, c'est le groupe. Ouais, non, mais c'est groupe, c'est chiant. Ouais, bon, on y va, on s'en fout. On va mourir. Mais non. Bah, au pire, c'est moi qui tank, c'est moi qui meurs. Non, lui, t'es chiant, par contre. Viens, on dit que c'est chiant. Je... Non, parce que non, on y est encore. Hein. Ah, c'est chiant. Ah, attends.
La cure. Bienvenue à la tour, héritier de la 7ème homme. Nous vous attendions avec impatience. Le vice-maréchal Pipin se trouve actuellement au sommet de la tour en compagnie des autres délégués. Veuillez y rejoindre, je vous prie. Non, pardon, si je me rappelais. Ça. C'est Laurence comment, Laurence Arabi ? Y'a que les pédales et marais qui s'appellent Laurence. puisque t'es pas très marin sur les bords, tu serais donc de notre bord. Tu suces des nœuds. Honnêtement, bon. Maintenant qu'on est remis, ce que j'allais dire, c'est que c'est une des rares fois. Enfin, je. Après, voilà. Doublage français, je préfère en général. Mais c'est ouais. une des rares fois où je trouve que le doublage français est tellement parfait que limite le comment dire. Bah, le personnage avec la voix originale, c'est plus moyen, en fait. Ouais, Pipin ? Tu vois ? Non, le... T'as pas reconnu ce que je faisais tout à l'heure ? Ben, non. Le sergent Hartman de Full Metal Jacket. Ah, oui, si, oui, ça, oui. Oui, voilà. Ah oui, non, mais je croyais que tu parlais de Pipin, c'est pour ça. Non, mais je... Ah, ouais, non, je parlais du sergent Hartman. Mais oui, non, oui, non, mais j'avoue, il est excellent, je... Clairement, ce passage, mais pff, me fait hurler de rire. Bref. Y a Pipin. Et Mary, il est où? Y a Pipin. C'est déjà bien. Ouais. Depuis quand il y a des hobbits en Eorzea? Bah, il est là. bienvenue à vous deux, c'est un réel plaisir de vous revoir. Bonsoir, désolé d'être si sensuel, mais j'ai l'impression d'avoir une perceuse dans le crâne. Salut Luxray, bah pas de soucis, hein, aucun problème. Hello Lux. Non, excuse-moi, je regardais juste un truc à côté. Pas de soucis. Oh, il y a Hilda aussi, trop bien. Oui. On se retrouvera enfin, comme tu peux le constater, ce sont les miliciens qui ont été choisis pour représenter les forces Ishgardaises durant cette mission. Il y a Pointicha du Maelstrom. Pointicha. Je crois bien que nous nous étions pas revus depuis la grande manœuvre Eorzéenne. Ah oui, là je vous ai botté le cul. Oui, je me souviens. c'est un véritable honneur de participer une nouvelle fois à une mission en votre compagnie. Je suis rassuré de voir que nous avons la chance de travailler avec les meilleurs éléments de toutes les nations du continent. À ce propos, y a-t-il du nouveau du côté de la muraille ? Bah, j'avais pas. Ah, lui. Rien de notable pour l'instant, mais on peut s'attendre à tout. Et là, explosion. J'avais dit, hein. Bah oui, bah je vois là. Du coup, c'est là qu'on va avoir le. Oh. Je viens de recevoir un rapport de mes soldats. Ils affirment qu'une bataille a commencé à dans l'enceinte de la muraille. Ah, on n'avait pas remarqué, Michel. Non, je. Moi, je pensais qu'ils faisaient des merguez. C'est le haut du barbecue, il avait sauté. Non, mais on a dit, Michel, une allumette, ça va, deux, ça pète. Et il a oublié, ce con. Il en a mis deux, de coup. Michel, il a pas compris, hein, avec les allumes-feu, il a mis tout le paquet, le con. Alors, ça y est, le griffon a décidé de passer à l'action. Il a mis tout le paquet, comme il était pas sûr, il a refoutu de l'essence dessus, ce con. Parlez d'où, c'est une catastrophe. Ah non, c'est un barbecue. Qu'est-ce que vous entendez par là, colonel? Si vous savez quelque chose, dites-le nous. Bah les merguez sont cramés là, c'est fini. Ouais. Comment tu veux bouffer des merguez cramés? C'est une catastrophe, c'est la merde.
On m'a également appris que les combattants qui avaient lancé l'attaque portaient des uniformes des grandes compagnies. Ça, c'est un coup à foutre plein de sauts sur son uniforme, c'est vraiment pas mal, hein. C'est impossible. Les soldats du Maelstrom n'ont reçu aucun ordre de ce genre, que je sache. J'ai compris, nous sommes fait avoir. Sans déconner, on l'a pas vu venir à 3 km. Oh là là. Le griffon n'a jamais voulu s'emparer de la muraille, au contraire, il l'attaque en tentant de faire porter le chapeau aux grandes compagnies. C'était sûrement son plan depuis le début. Je vois, il cherche donc à provoquer un incident majeur entre Garlemald et Orzea. Si les impériaux tombent dans son piège, ils nous déclareront une guerre totale. De l'autre côté, il est probable qu'il s'agisse également d'une opération de diversion. Pendant que les Eorzéens et les Garlemaldés sont occupés à s'entretuer, la voie vers Alamigo est libre. Vous voyez où je veux en venir? Lorsque le Griffon aura suffisamment attisé la colère du peuple Migwa opprimé, il provoquera une révolte de grande ampleur, ce qui compensera la relative faiblesse de ses forces armées. Et voilà comment on fait d'une pierre deux coups. Nous devons nous rendre immédiatement à la muraille. Attendez, est-ce que vous réalisez dans quoi vous embarquez? C'est du suicide? Bah t'inquiète, on a l'habitude. On a la lumière. Oui, c'est bon. Je suis conscient de la dangerosité de cette mission, mais nos camarades sont déjà au cœur de la bataille. Si nous leur portons pas secours, ils risquent d'y laisser la vie. Nous sommes sur le point de nous jeter dans la gueule du loup, mais les Garlemaldés doivent être déboussolés par cette attaque surprise, ce qui pourrait nous permettre de passer au travers des mailles du filet. Avec un peu de chance, les hommes du Griffon nous déblairont même le terrain en éliminant une partie des défenses impériales. Depuis quand on a de la chance dans ce jeu? On a eu de la chance? Je sais pas. Dans ce cas, c'est entendu. Damilda, puis-je vous demander de vous charger de l'aéronef d'évacuation? Aucun problème, soyez tranquille, vous aurez droit aux angles les plus rapides, Dishgard. Quant à moi, je vais lancer les préparatifs de défense en vue d'une éventuelle riposte de l'Empire. Faites très attention à vous. Demain se réveille debout, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Et ben ça marche, Odé, merci à toi d'être passé, bonne soirée, bonne nuit et à demain. À bientôt, à plus. Ouais, au moins. Bonne nuit, Odé, à la prochaine. Où est-ce qu'ils ont trouvé autant d'uniformes? Ils ont un bon couturier. J'avoue. Sus à l'ennemi, brave guerrier d'Alamigo, que cette bataille marque le réveil des peuples éorzéens humiliés par la tyrannie d'un empire sans foi ni loi. Nous allons les expulser de nos terres à tout jamais. La victoire est à nous, chiens de Garlemaldé. Devant vos yeux, Alamigo va renaître de ses cendres. Oui, il en sera ainsi, quel que soit le prix à payer. Bah du coup tu vas mourir, excuse-moi, La guerre. Bah oui. Oh, c'est parti. On a encore passé la nuit dans une cinématique, hein, c'est incroyable. Oui. C'est quand même chiant, hein. Genre là, il refait nuit. Non. D'après Papalimo, le sentier qui se trouve troupé d'ici mène directement au pied de la muraille. Cette fois encore, je suggère que nous séparions en deux groupes. Je vais tenter de percer les lignes de défense impériale pour me rapprocher au plus près possible de l'édifice. Ensuite, je m'introduirai dans les galeries souterraines et essaierai de retrouver nos camarades. Ilan, vous allez partir à l'assaut de la muraille et vous diriger vers ces hauteurs. T'as un grappin? Non, parce que c'est quand même haut la muraille, Michel. Son objectif sera d'y être. On saute. Je suis chevalier dragon, donc ça passe. Votre objectif sera d'y attirer les troupes du griffon pour nous libérer la voie. Je m'accrocherai à la lance. mais comme dans les mangas, c'est du très fait. Ouais.
Je vous rejoindrai aussitôt que j'aurai retrouvé Papa Limo et les autres. Je contacterai Hilda pour qu'elle se tienne prête à nous vous évacuer en cas d'urgence. Ça risque d'être très dangereux, mais nous devons avoir foi en notre réussite. Bonne chance. Accès aux murailles de Baelza. La muraille de Baelza. Ah, donjon. Et c'est parti! C'est trop loin. C'est parti! Ça c'était trop loin, je pouvais pas parler à la muraille. Bah c'est chiant. Putain, le bruit qu'ils font les trucs derrière. Ouais. Et du coup j'ai pas vu, oui c'est à 4. Oui. Ah oui, donjon, oui c'est toujours à 4. Ça changera pas. Apparemment ils ont tous oublié l'heure parce qu'ils font tous poignée ennemie. Bah ouais. C'est quand même très très chiant. Ah. Donc il sort du palais des morts. Oui 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 hein. Et vous ? Ah putain c'est deux bardes. Oh. Oh. Eh ben. Ça va être chiant pour l'agro. Ah ben c'est rien, ouais. Oui, oui, on revient. Ah ben ouais, d'accord. Non, ça, je crois que tu peux pas choper l'agro. Faut les détruire en premier. Ouais, non, c'est ça. Il était agro sur moi, mais Ah oui, non, c'est vrai, la stance. Ah ben, c'est classe où il faut mettre une stance, hein, n'importe quoi. J'avoue. Oh mais, ici. Aïe. Fais mal. C'est pas du tout ce que je voulais utiliser, mais c'est pas grave. Ouais, perdre la vie. Arrête ça tout de suite. C'est quoi cette mission toute calme, toute douce là? Ah non, ça va pas être calme, non. Enfin, parce que c'est la guerre, mais pas trop là, apparemment. Ah, c'est la guerre, mais ils viennent deux par deux. Oui, en plus. Et il paraît qu'ils savent laisser leurs chaussures aussi. Est-ce que ceux-là ils nous racontent des histoires? Non, non, Père Castor, il va pas être invité. La carte de merde! Ah, tu vois? Que ça se foutait de ma gueule! Le booster, fait chier. Ouais, va falloir, hein. Va falloir être très chiant. Ah, étrangement, j'ai beaucoup moins de mal à garder l'aggro sur ces barres, par rapport à ces barres-là que la dernière fois. Hmm, ouais, bah. Ah, mais si! Utilisez toi aussi! D'ailleurs, je rappelle hein, pour ceux que ça intéresse, si jamais. On rappelle que ce week-end, le FanFest de Tokyo il va donner tout plein d'informations sur la prochaine extension. Alors, j'avoue que personnellement, je vais pas le regarder. Oui, bien sûr, ma doute. Parce que, dude, j'ai pas envie de me spoil. Et deux, c'est la nuit, c'est chiant. Il se soigne, ça va pas, non? C'est un pugiliste ou quoi? Ah oui, c'est un pugiliste. Ah. Le sécuteur. Une clé. En vrai, le seul truc que je vais, sur lequel je vais me renseigner, c'est les classes. Et les classes, oui. C'est le seul truc que je vais regarder. Parce que bon, bah déjà, il faudra que je commence à choisir quelle classe je vais monter dans... Enfin, quelle classe je jouerai en live sur Shadowbringer. Mais...
Oui, on se calme. On s'est les deux vaisseaux. J'ai eu une chaîne. J'ai eu une laisse, okay. C'est chiant. Libérez moi. Ça n'a pas la porte. Alors la palissade, c'était pas mal non, Jacqueline. Ah. Bah oui, non, c'est chiant. Bah oui. Oh. Ça vient de FF6, ça. D'accord. Je peux vraiment voir sur ce live. Ah oui. Ouais. Bien. Ah, c'est la monture PVP par contre, hein. Ah, c'était chiant. Mais en gros, dans FF6. Ah, non, mais faut arrêter de mettre des claquasses comme ça, hein, ça va pas bien, non. Oh la vache. Et mettre une laisse aussi, c'est ça? Ah, bah, j'adore. Mais oui, allez. Du coup, ce que j'allais dire. Oh. Il y en a une qui a fait de l'huile, je crois. Ouais, ça va faire un peu bobo. Mais du coup. Comment ça s'appelle? La monture là qu'on a en faisant l'épopée à 50. Le truc Magitech. Ouais. Bah, à la base, ça ressemblait à ces trucs là dans FF6. D'accord. Ah, une de détruite. Oh. Arrêtez de prendre des taquets par. Non, oh, arrêtez. Mais reste pas dans les arbres, Jacqueline. En plus, elle est bien bleu fluo, tu la vois. Là, je vais avoir mal. Par contre. Ouais, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Pourquoi ils ont des trucs rouges sur eux? Ah, d'accord. Jacqueline? Ouais, mais c'est bon. J'ai beaucoup aimé. Y'a que moi en fait qui prend pas de taquet. Ouais. Ah, il fait bon d'être une de temps en temps. Non, mais j'ai beaucoup aimé le gros pointeur rouge sur eux. Ah, c'est quoi? Comme ça. Oh putain. Exactement comme ça. Oh, c'était tellement juste. Non, je peux, hein, c'est pas le problème, hein, mais bon. Ouais, bah c'est ça, chiant. Ça demande de la balance, c'est bon. Ah, j'ai vraiment mal là. Vraiment éviter. Oh bah j'ai pris un presque 10 000 de dégâts là, c'est pas mal, hein. 9777. Je trouve on est pas mal. Mais arrêtez! Oh, mais cette musique de boss, qu'est-ce que je kiffe! Et d'ailleurs, fun fact, cette musique de combat, de boss, elle y est dans Dissidia Anti. D'accord. Ouais, j'ai découvert ça tout à l'heure. Je regardais les musiques, je fais. Tiens, je connais ça! Ça va pas être le moment chiant là? Ouais, je pense que ça va être le moment chiant. Hein? Ah! Ah, c'est le moment chiant! Ça me rappelle des choses, ça. Bon, ça va venir de tous les côtés, c'est ça?
Non, d'un côté défini, mais ça va venir en masse. Ah. Genre, vraiment, en masse. Je suis pas là. Hein. Qu'est-ce que... Oui. Non, mais reviens. Eh ben, je m'attendais pas à ce qu'ils sont arrivés aussi vite. Au secours. Mais c'est chiant. Alors toi, viens. Et puis toi aussi, c'est chiant. Bon. Sortez les AOE, hein, les filles, parce que sans déconner, là, ça va avoir d'avoir besoin. Ah, la grosse... La main de la punition. Elle va venir nous fesser. On n'a pas été sages. Et puis celle-là, elle est en adamantium. Ça veut dire qu'elle va être plus dure avec nous. Oh mon dieu. Non mais ça va pas bien. Hein. Ah bah c'est pas moi. Ok, ce côté c'est bon. Là ça va pas de partout. Et paf. Comme les chocapics. Ouais. Là c'est nous qui allons transformer en chocapic. Salut. Ah. Et oui. Salut petit troll. Hello. Ah, c'est des grosses zones. Bah je. Non mais. Ah ça Jacqueline, je sais pas si c'était nécessaire. En vrai ils sont froids, on les défonce Jacqueline. Attends. Bon c'est. Bon. On a vu mieux en termes d'action pareil Jacqueline. Ouais on est d'accord. Hein. Oh là t'as été un peu con. Oh les là les juges ont mis 5, 4 et 4,5 là, tout le monde t'as fait de la merde. C'est beaucoup. Et courez pas partout bande de débiles. Ça m'a jamais rien. Ces gens qui courent partout quand ils ont un aggro sur eux, Oh, il y en a plein. On a plein. Oh, il y a plein de mobs. C'est vrai, il fait... Ah oui, punissez-moi, j'ai été vilain. Non. Je veux pas être puni. Aïe. J'ai mal. Je n'ai pas été sage, oui, sortez les lanières. Oh. Pardon. Ouais, c'est pas fini, hein. Ah oh, bah je me doute bien. Ah, oh, qu'est-ce qu'on s'éclate. Ça a touché. Non, ça a pas touché. Oh, oh ici. C'est bon. Bon, j'en profite, je me fais une petite régène de mana un jour. Hein. Ah, ouais. Aïe. Ah ouais. Aïe. J'ai mal. Ouais, non, c'est chiant. Je souffre. Il paraît que c'est chiant. Ça fait mal, ça. Ouais, un peu, ouais. Oh, j'ai tellement pas hâte de faire ce donjon quand je vais tomber heal. Enfin, quand je vais jouer heal. Tu, en vrai, ça va. Alors, lui, il met un debuff rouge. Et quand tu l'as, il va y avoir un décompte de genre 5 secondes, et au bout de 5 secondes, tu ne dois plus faire aucune action. Sinon, d'accord. Tu voles en l'air et tu subis pas mal de dégâts. Ok. Non mais Jacques. Lance roquette. Ah, c'est tout le monde qui prend. Détecteur d'ennemis. Ouais, mais non, faut arrêter. Ah voilà, c'est ça, c'est le brouillage. Mais c'est pas tigre. Ne faites plus rien. On avait dit, hein. Oula. Le laser diffractif. On a eu chaud, non.
Oui. Ah, oh, oh, oh. À une microseconde près, elle avait un orteil dedans. Hein, Ah, y'a plein. Ah, oh, tiens. Oh, ça va. Roquette 2. C'est le truc rouge. Il y en a une qui vole. En vrai, j'ai tellement envie de bouger pour voir ce que ça fait sur moi. Ça faut arrêter ces conneries, hein. Ouais, non, mais ça me donne plus de heal à faire. C'est bon, c'est chiant. Ouais, là, je le ferai pas, mais j'ai très envie, tu vois. Ah, j'ai. J'ai pris la roquette dans la bouche, hein. Là, je. Littéralement. Ça pleut ? Oh pétard. Au secours. Ouais, ils sont tous sur moi, c'est bon. Oh putain. Ouais, non, mais. Non, faut arrêter ça. Faut arrêter. Pardon. J'ai pas eu le temps. Pardon. Au secours. Arrête. Il faut plus bouger. Jacqueline, ne tout va bien. Ouais, j'arrivais pas à te le reprendre en fait. Du coup, c'est chiant. Avec les. Pour la blague. Oh, j'ai pris un 12 000. Ah oui, non, mais oui, tu prends très cher, oui. Ah, ouais, oui, j'ai vu. Mais ça permet de faire profiter de la musique plus longtemps, c'est bien. Ça fait exprès. Son stuff à la... au bar derrière nous. Ouais. J'aime bien le skin. Un peu trop vert à mon goût, mais. Là, la palissade, c'était toujours pas maintenant. En vrai, si celle-là était un peu plus utile que tout à l'heure. Oui, bon. On encourage les bons gestes. Ça n'a pas bougé. On ne bouge plus. Non, j'ai dit. J'avais. Mais. Eh, vous lisez le chat au moins, les gens là ou pas là? Parce que bon. Je crois qu'il fallait plutôt leur dire don't do anything. Plutôt que don't move. Bref. Ouais. Ils ont pas compris, ils sont débiles, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Ouais, bah après, moi j'ai pas vu, elle a bougé en plein milieu, je veux dire, bon. Mais déjà cette phrase. Ah, ouais, bah, c'est chaud. Oui. Déjà cette phrase-là. Oh putain. Oh, j'ai pas mal. J'ai pas mal. Ça pas la vie qui fait du yo-yo, tout va bien, au secours. Ça tient pas bougé. On ne bouge plus. Et là, ne bougez vraiment. Mais genre, j'ai pas bougé. Je crois que même les auto-attaques sont considérées comme bouger, en fait. Ouais. Oui, c'est l'arnaque. Bon, ben j'ai vu ce que ça faisait. Blah. 10 secondes. Je rebalance, c'est rien. Éjection de drone. Ah oui, c'est le quadrillage. Il est pipio. Jacqueline, partout.
Bah c'est quand même pas... Oui bah là elle l'a cherché hein. C'est quand même fou. Mais... T'es claqué des LB tout le temps, c'est chiant. Oh non. Ça tombe plein. De rien. J'ai pas mal. J'ai pas. Toujours pas mal. Je suis en vie. Oh mon dieu. Et t'es sérieux, tu veux que je bouge pas là? Ah. Je bouge plus. T'as pas le bras. Ouais, t'as rien non, fait. Mais il s'est fou bouger au secours. Ne bougez pas. Tu disais, pardon, j'ai pas bien entendu. Non, je crois que c'est le vent qui parlait. Mais encore une fois, on n'a pas compris ce qu'il disait, donc c'est chiant. Aïe. C'est mon trésor, à moi. Bon. Oh oui. Ah, ouais. Non. En fait, non. De loin, ça avait l'air sympa. De loin. C'est ça, le fameux Alain de loin. Merci Tina pour le G. Non, c'était compliqué là celui-là. Ah, bah oui, bah ça bro. Des PS en mousse aussi. Oui, j'ai envie de dire, si les gens ne lisent pas ce que t'écris dans le chat, bon, au bout d'un moment. Non, mais même globalement, bon. J'ai connu un meilleur DPS ici. Oui. Ah bon, les barbes, compliqué. La Jacqueline, t'as pas l'impression de t'attaquer toute seule à un seul mob. Bon, faut pas qu'on est tous sur un autre. Surtout des bardes, elles ont une très bonne AOV, pourquoi elles l'utilisent pas quoi. Faut faire du mono aussi. Jacqueline, elle s'est bien habillée, mais pas les pieds. Ah ouais? Elle a un beau manteau, tout ce que tu veux, mais elle est en tongs. Non, mais c'est bon, c'est un style. Hein, bonjour, pas... vous! Oui. Pas très bien, vous entendez pas? Il y en a bien qui se baladent en slip et sandales roses, donc. Oui, à partir de là, hein, bon. Qui sommes-nous pour juger? Oui. Et ça tape toujours pas en AO, hein? Ah non. Je veux dire, il n'y a pas plus paquet que ça, là. Je peux pas faire mieux. Je... Si, je crois qu'il y en a une qui tape en AO, mais... Mais bon, c'est une seule quoi. Ouais bah. Ça c'est chiant. Ah. Là on va aller voir les soldats des grandes compagnies, mais c'est pas vraiment eux. Ouais. Et paf. Oh, y a une AOE. Je l'ai vu. Oui. Ouais, si ça fait les deux, ça, les deux font des os. Ok. Mais c'est bon. Bah, c'est pas au bon moment. J'imagine que c'est rare.
surtout quand tu s'embardes, t'as limite moyen de la spammer ton AOE quoi, donc. Ouais, clairement. Mort au garde maldé. T'es conscient qu'on n'est pas des garde maldé, Michel? Ah ouais, non, je... on a vachement l'uniforme, mais c'est vrai. Hein. Bah ouais. Je sais pas si on va découvrir là juste avant le combat que c'est. Enfin, qui c'est le griffon. De toute façon, il parle pendant le combat donc tu découvriras d'office qui c'est. Ok. Toi ! Bon. Bon ben voilà, au moins c'est réglé. Ok. Oh musique. Le griffon était liberté. Oh, on va se faire un plaisir de te buter. Dieu. Accompli. Machin accompli. Ok, on était tous nouveaux en fait ici. Ouais. D'accord. Je laisse remettre un bouclier. De quoi? Oh putain, oui. Merde, depuis tout à l'heure le bot de plus. Ah, il était pas ciblé. Ok, donc c'est Hilbert. Oui. C'est pour putain, ça que j'ai c'est... Dire, à partir du moment où il va parler, lui, tu vas le reconnaître direct. Ah oui, bah oui. Qu'est-ce que vous dites de ça? Musique, passe regarder. Attends. Je vais fuir. Vous êtes à moi. Mais pourquoi ils ont Jacqueline, elle voit une. Jacqueline, elle voit une énorme AOE, elle court à l'autre bout de l'arène. Mais bah ouais. Jacqueline, elle fait tout l'arène. Bon, c'est chiant. Vous êtes à moi. Faut pas faire ça. Ouch. Ah ouais, c'est vrai, il fait des temps de tête de lion, je sens que ça va faire mal ça, non? Oh, je m'attendais. Ah, oh pute! Tout va bien! Tout va bien! De ça. D'après les sondages, tout va bien! D'après les sondages, on va dire la merde! Oh là là! Je sais, on a toujours su que les sondages c'est bien, de la merde! Bien, Jacqueline! You can do it! Vous êtes à moi! Et encore pour y aller à l'autre bout, hein, c'est incroyable! Bah ouais! Je vous demande de vous arrêter. Alors ça va ce donjon? Bah en vrai, c'est compliqué. En heal c'est chiant. Qu'est-ce qui arrive? Ah tu vas pas. Ouais. Au secours. Je fais clignoter hein, comme ça. Ouais. Bon parce que sinon vous allez plus avoir de heal. Eh ben vous avez plus de heal. Bah ouais, bah en même temps j'étais deux. Enfin on était deux attaqués quoi. Donc c'est à moi. Je peux pas baisser mon aggro comme ça, c'est pas moi qui meurs en premier. Je vais vous mettre en pièce. C'est à moi. Pour un amigo. Et là tu dis pardon monsieur. Excusez-moi, j'avais pas de rendez-vous, je suis venu, je sais, je. Allez, au revoir les gens. Je me rends pas compte que j'allais déranger. Excusez-moi, je repasserai un autre jour. J'ai pris un 17 000 de dégâts. Voilà, juste pour info. Que ce soit dit quelque part, j'ai pris 17 000. Cette musique. Ouais, celle-là elle est incroyable.
Et donc c'est cet abruti qui a les deux yeux, quoi. Oh là là. Oui. On est tellement dans la merde. Oui. Et sinon, les deux débiles, là, vous êtes... Vous avez l'autorisation de parler, hein? Je dis ça, mais... C'est vrai que même bonjour, elles ont pas dit. Non. Non. Ah non, l'honneur, ouais. Elles vont aller se faire foutre, hein. Désolé, mais... Je peux pas te le donner à toi, puisqu'on est arrivé en groupe. Donc, elles ont pas passé un mot, elles ont pas suivi ce qu'on dit des strates, donc au bout d'un moment, bah tant pis. Hein. Là, ça se passe. Non, toujours pas. Non. T'es 30 secondes trop tôt, Jacqueline. Mais tout va bien. Oui, mais Jacqueline, t'es trop loin, ça va. Attends, excuse-moi, j'ai pas encore les 4G sur mon bouclier, hein, bon. Oh, bon. Elles activent là. Oh. Ils de Dieu. Oui, et moi je fous ma carte sur moi-même. C'est pratique. Est-ce qu'il y a un truc qui peut bien se passer dans Est-ce le donjon? Que vous dites de ça? Ah, c'est pas grave. Tiens, pas regardé. Bah, évidemment. Évidemment, ce que je veux dire. Il y a une amélioration. Ouais. Il faut le noter. Je vais vous mettre en pièces. Serre du griffon, c'est pas le Tankbuster ça? Genre, je crois que si. Vous êtes à moi. Ok, on a une autre réponse. Ok, donc c'est. Ouais, non, mais j'apprends. Pour un amigo. Allez, tête de lion, on va pouvoir se mettre au milieu. Grosse explosion. Au secours. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je vais pas regarder. Regarde pas, je regarde l'épée. Plein. Oui, bon, bah, ça, évidemment. Elle va dégager. Oui. Reviens vite. Ça va être bon. Vous êtes à moi. Elle bouffe. Je vais le bouffer. Oh, c'est pas grave. Ouais, mais là au moins elle est venue, donc bon, c'est pardonné. Ouais, bon. Chatte de fer, c'est chiant. Enchaîne. C'est sur quoi? Ouais. Allez. Mais elle continue à focus Hilbert, hein, c'est incroyable. Bah ouais, ouais. Et bah c'est mort. Putain. Ah, t'as bloqué. Je claque un bouclier parce que de toute façon. Ouais. Un bec du griffon, ouais, bah du coup, voilà. Ouais, c'est chiant. Vive les boucliers. Je vais vous mettre en pièce. Ah non, c'est serre du griffon. Non, c'est chiant. C'est chiant. Bouclier. J'ai même pas mal. Vous avez demandé de l'huile? Ah, vous en allez avoir tout plein là. C'est pour le général. Oh putain de merde. Ah, c'est qu'elle avait pas assez. Ouais. Qu'est-ce que vous dites? Mais de où ça tu vas, Jacqueline? Non, regarde pas, Michel. Mais reviens vers nous. Mais Jacqueline, reste pas dedans. Pourquoi ces gens sont terriblement dégueulés? Au secours. C'est à moi. Non mais qu'est-ce que tu veux faire avec des gens? Le mec, il y a de là-haut dans toute la salle et il claque la LB. Mais... Oh bah j'ai... Bah si... Ouais. Si les DPS sont concentrés... Ouais c'est bon, ça devrait passer. J'espère. Attends, l'autre... L'autre s'est barré en plus. Quoi? Oh. Oh mais putain. Oh mais pfff. Non mais c'est cool. C'est cool. Super. Et voilà. Le celle qui est morte est retournée au début du donjon. Je vais vous mettre en pièce. Pourquoi à chaque fois? Ah je vais prendre cher. Pourquoi à chaque fois? C'est vraiment incroyable. Pourquoi à chaque fois
qu'on fait un donjon en live, à chaque fois ça se passe comme ça. C'est un truc de fou. Elle encore, ça va, elle a compris, elle va se mettre direct au milieu, tout ça, bon. Oui. Ça va. Mais... qu'est-ce que vous dites de ça ? Putain, quel enfer. Ouais, là, par contre, elle a pas encore. Vu qu'il fallait pas regarder. Putain, ça va être chaud, ça va être chaud. Oui, ça va piquer. Ça, je prends. Tiens-la pour la capoie. Attention, j'avais oublié. Vous êtes à moi. Ouais, ben non, mais c'est bien de nous avoir rejoint, Jacqueline, mais là tu rentres plus. Hein. Eh oui, là tu sers complètement à rien, Jacqueline. Quelle idée de mettre des baskets aussi. Oh non. Pourquoi c'est toujours moi? Faut se dire que t'es la plus grande menace du groupe. C'est mieux que ce soit moi. Mais bon, s'il nous manque un DPS pour faire les chaînes. Bon. Ça passe tout juste à chaque fois. Oui. C'est à moi. Et je trouve des cartes de merde. Ouais, reprends ton bouclier. Ça va faire mal, ça. Ça va faire très très mal. Dans ces bon. J'ai assez de vie, ça devrait passer. Tête de lion, ouais, on le défonce avant. Allez, on le défonce, voilà, ouais, on le ouais, sa mère. Voilà, j'ai une crève. Voilà. Encore un boulet. Mais oui, non, mais on se tape toujours des boulets, j'en ai marre. Ah, ouais, GG, ouais, d'accord, ok. GG, ils savent le dire. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça, pas grâce à certains. Pour GG, ils ont un clavier. J'allais dire, ils ont un câlin. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais, bah c'est pas parce que t'as un GG que tu vas avoir ton honneur, Jacqueline. Démerde. C'est ouais, là que. Allez, quand même. Allez, je vais le donner à. Celle qui, au moins, c'est pas barré. Oui. Daria. Ouais, française. Ouais, d'accord. Ah! D'accord. Je comprends mieux d'un coup. Je comprends mieux. Stuff. Ah non. Bah c'est la française qui a foutu de la et qui faisait rien. Ah oui, d'accord. Bon. Chose sérieuse. Tu as peut-être mis au tapis, mais tu n'as pas gagné pour autant. Mon plan est déjà en marche, et rien ne pourra l'arrêter. On a réussi. On a vaincu les impériaux. Ouais. On leur a donné une leçon qu'ils oublieront pas de sitôt. Les Eorzéens vont enfin comprendre qui est leur vrai ennemi. J'ai pas le choix. Je dois le faire. C'est la seule façon de libérer Alamigo, de sauver Eorzea. Laurentius. Ce nom dit quelque chose, on l'a déjà vu lui, non? C'était pas le mec infiltré là, où il fallait reparler à Laurentius, reparler. Ouais. Si, c'est ça. Si. Mais c'est encore un connard de l'Alafel. Oui. Ces sacrifices sont indispensables. C'est pas de l'Alafel ça, Dubin. Après. Ah. Sakaboum. Je dois le faire. Je dois le faire. Pas kaboum. C'est quoi ce bruit? Oh.
C'est pas possible! Les renforts sont déjà là! Il faut les détruire! Sinon on est cuit! Ok. Oh shit! Bonne ambiance. Ah bah Jacqueline, barre-toi là. Ah bon bah tant pis. Nous sommes cernés. Ils sont pas censés avoir des lignes perles à la base? Ils sont peut-être cassés comme nous. Ah bah oui, là, ils vont beaucoup mieux marcher d'un coup, là. On n'aurait jamais dû les provoquer. On fait pas le poids face à l'Empire. Très bien. Plus de force. Et si c'était fini? Il nous faut plus de force. Oh putain, je... Pour les vagues. Dieu merci, tu n'as rien. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à rejoindre l'équipe d'infiltration. Dame Yugiri est restée derrière pour coordonner les opérations d'évacuation par aéronef. C'est horrible. Les membres de la Résistance se sont fait massacrer par les Impériaux. Regardez qui voilà. Son Excellence le Commandant Le Veilleur. Hilbert, c'était donc toi qui te cachais sous ce masque. Ouvre les yeux. Ta foi t'empêche de voir la vérité en face. Tu conduis tes hommes tout droit à la mort. Ordonne la retraite avant qu'il ne soit trop tard. La retraite? Tu voudrais qu'on abandonne la bataille alors que la victoire nous tend les bras? Tu n'as décidément rien appris depuis ton fiasco à la tête des Braves du Cristal. Voilà. Les yeux du dragon? C'est impossible. Nous les avons pourtant jetés au fin fond de la mer de nuages. Hilbert, lâche-les immédiatement. Ces artefacts sont trop dangereux pour être manipulés par un simple humain. Les affres du temps sont trop marquées. Les Miguas se sont habitués à l'humiliation de la défaite, à l'esclavage forcé, à la certitude de connaître un sort funeste. Ils ont perdu tout espoir de retrouver leur vie d'antan. La plupart de ceux qui ont fui dans le Tanalan attendent passivement qu'un miracle se produise au lieu de se battre. Ceux qui sont là aujourd'hui n'auraient jamais eu le courage de passer à l'acte sans l'aide de l'Olorito. C'est facile de dire qu'on va aller combattre l'envahisseur, qu'on va libérer notre pays, mais la seule façon d'y arriver, c'est en étant prêt à tout sacrifier. Si un humain ne peut résister à la puissance de ses yeux, alors je suis prêt à me transformer en monstre pour jouir de leur pouvoir. Qu'ils déchiquettent ma chair, qu'ils s'abreuvent de mon sang, qu'ils dévorent mon cœur meurtri. Qu'as-tu donc l'intention de faire? Une énorme bêtise. La lamentation déchirante du désespoir, la haine à l'égard de l'Empire, le désir de puissance, ces sentiments purs et ces ferventes supplications face à la certitude de la mort vont me permettre d'appeler un nouveau dieu affranchi de tout dogme. Estimé un nouveau dieu, c'était tellement affranchi rien. De tout dogme. Ne sois pas stupide, Hilbert. Tu sais très bien que tu ne pourras jamais venir à bout de l'Empire, même avec le pouvoir d'un primordial. C'est vrai. Et c'est justement pour ça que je dois invoquer un primordial, encore plus puissant que le grand dragon qui a provoqué le septième fléau.
ne va pas l'invoquer ici, quand même. Pas question de le laisser faire. C'est le début de la fin. Vous allez connaître mon désespoir et ma douleur. Ce bruit, je m'y attendais pas. Ah, ici avec le bruit. Je sens la musique qui te dit ça va être la merde. Mais t'as pas idée. Pour info, c'est la musique qu'il y a dans le la cinématique de Bahamut. Quand il ravage absolument tout. Qu'est-ce que c'est ? C'est le début des ennuis. Le rite a abouti. L'invocation a commencé. Qu'est-ce que j'ai pas entendu pendant. J'ai c'est le début des ennuis. D'accord. Oh non, Papa Limo, il faut faire quelque chose. Oui, il faut faire quelque chose. Attends, tu ne vas pas toi aussi te jeter dans le vide. J'ai une idée, qu'est-ce qu'on fait? On se suicide, ok. Mais non, Nigaud. Je vais tenter de lancer le sort de scellement que Louisoa a utilisé lors du 7e fléau. Ce sortilège est extrêmement puissant. Vous ne pourrez jamais le lancer sans un minimum de préparatifs. Alfino, je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis le plus doué des disciples de Louisoa le Veilleur. Voilà donc pourquoi il a récupéré ça. Oui. Tutsimati ? Avec ce bâton, il devrait être possible de concentrer suffisamment d'éther. Il doit y avoir une autre solution. Cette magie est trop dangereuse. Montez à bord, vite. Dépêchez-vous. J'ignore ce qui va se passer exactement. Alors fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Non, si tu restes, je reste. Ne dis pas de sottises. Tu as une mission, je te rappelle. Une mission que toi seul peux accomplir. Alors vas-y. S'il vous plaît, emmenez-la en sécurité. Lâche-moi! Je veux rester! Toi aussi, tu dois partir. Va! Je reste! Hilda.
Adieu, mon ami. Toi aussi, tu as été une formidable partenaire. Bon, le moment de vérité est arrivé. Clin d'œil à la cinématique. Ouais. Tu le sens, le Dalamud 2.0, là ? Ouais, je le vois venir gros comme une maison. Putain, ça pourrait être grave. Donc, pour ceux qui n'auront pas forcément vu la cinématique ou quoi, Papa Limo vient juste d'invoquer la puissance de 12 dieux. Voilà, pour recaler le truc dans le voilà, hein, pour remettre les formes. Ah oui. Ah oui. Ah oui. En espérant que ça finisse pas comme Baramut. Même si je sens la connerie venir, hein, voilà. Pourquoi ? Parce que je la sens venir, la connerie, je l'ai dit. Pourquoi est-ce qu'il m'a laissé toute seule ? Nous étions comme frères et sœurs, non ? Alors pourquoi ? Je comprends ton chagrin, Ida. Tu étais plus proche de Papa Limo qu'aucun d'entre nous. Mais tu dois comprendre que sa décision était prise depuis longtemps. Son regard brillait d'une lumière à nul autre pareil. Comme celui de Maître Louisois lorsqu'il s'est sacrifié pour nous sauver. Je sais, mais je... Tu n'as pas à t'en vouloir. Tu ne pouvais rien faire de plus. Pas même Nilan, qui s'est battu jusqu'au bout de ses forces, ne pouvait changer quoi que ce soit. Personne n'aurait pu imaginer ce qu'Hilbert qui manigançait. Si tu as des reproches à faire à quelqu'un, c'est à moi et personne d'autre. Mais n'oublie jamais ce que Papa Limo a fait pour nous. Le sens de son acte sera la clé de ton confort. Soyez tranquille, je me charge de veiller sur Ida. Vous pouvez retourner au refuge des roches et transmettre la triste nouvelle à Alizée. A bientôt. Non mais on le sait que ça va partir en couille, celle-là dans le ciel. Hein. On le sait. Parce que c'est Final Fantasy, et qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, qu'on arrive un peu à sauver les meubles, zra dans les dents. Ça. Ouh, j'ai une carte. Ah. Dernière mission de cet épisode. Ok, j'ai eu la carte du griffon. Ouais, ça aurait été rapide aujourd'hui. Ouais, j'avoue. Ça aurait été rapide, et en vrai... Et pas si tard que ça. Ouais, non, mais... Non. Non. Non, parce que moi, je c'est chiant. Parce qu'en vrai, je suis levé depuis 4h30 du matin, donc... Ah, merde, oui. Donc c'est un peu chiant. Ah oui. Mais ça aide pas. Oui. Alors, je dis pas que je suis crevé là, mais je sais que dans une heure, à mon avis, y a plus personne. Ah ouais. Je sais vraiment pas quoi lire. Nous ferions probablement mieux de suivre le conseil de Sancred. Alizée doit être morte d'inquiétude.
Nous allons retourner au refuge des roches pour lui faire un rapport. Je m'occupe de prévenir Yashtalakri et les Uriangers pour qu'ils nous rejoignent là-bas. Allez-y et je vous retrouverai tout à l'heure. Cette formule de Salmand ne va pas durer. Ouais. Je pense qu'on est tous à peu près conscients de ça. Ça va. Dereux. Ah bah ça, vas-y, va-t'en, hein. Bah ça tatoue rouge. Ça tatoue rouge, y'aurait plus rien. Ah, d'accord. Voilà. Mais j'ai bien aimé comment t'as volé. Ouais, j'avoue, là, il y a eu chiant, pas payé mot, là, hein, bon. Très simple. J'avoue comment ça lui a pas fait confiance. Bon. C'est PLS, la merde. Deux obsessions, c'est reparti. Ah, vous voilà enfin. Racontez-moi ce qui s'est passé. J'ai un mauvais pressentiment, mais je veux tout savoir. Celui qui se cachait sous le masque du Griffon était notre Gilbert. Par un moyen mystérieux, il a réussi à s'emparer des yeux du dragon et les a utilisés pour se transformer en primordial. Sauf qu'après... mais je comprends pourquoi le scénario a pas fait des vêtements à Papa Limo de Tataro. Ouais, parce que... Hein. Bah oui. Pardon. Oui, non, mais faut pas dire ça, parce que Ida, là, n'a pas encore eu non plus... Ah, oui, non, mais... Quoi. Eh, non, j'ai pas... Moi, j'ai rien dit, c'est pas moi. C'est le vent. Et Uriangé non plus, on n'a pas eu. Et nous non plus, on n'en a pas eu. Si, Uriangé, il en a eu. Mais pas de Totaro. Voilà. Oui. Mais il a quand même gardé sa vieille tenue. Bon. Ça, c'est vrai. Ah non, quel malheur. Dans une seconde, c'est bien le sort de Salmand de notre grand-père dont j'ai ressenti les ondes, pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah comme un oeil, il y a une grosse couille bleue dans le ciel. Quoi, c'est vrai. La testibole lumineuse. Tu ne t'es pas trompé, Alizé. Et comme tu le sais déjà, c'est un sort qui exige de sacrifier sa vie. Cette fois, ce rôle est revenu à l'un de nos meilleurs disciples. L'un des meilleurs disciples de Louis Oua. Ouais. Papa Limo savait ce qu'il faisait, et sa décision était probablement prise depuis un certain temps. J'ai envie de dire qu'il l'a prise depuis qu'il nous a embarqué le bâton, hein, mais bon, après... Oui. Je vois. Il avait décidé de suivre la voie de son maître, et comme ce dernier, il aura réussi à nous donner l'espoir d'un avenir meilleur. Ilan et moi-même avons jeté les yeux du dragon dans les profondeurs de la mer de nuages. Pourtant, à moins qu'il y ait eu un événement majeur que nous ignorons encore... Ce sont bel et bien ces reliquats de Nidhogg qu'Hilbert tenait dans ses mains à la muraille de Baelzar. Ah oui, non, bah c'était bien ça. C'est à cause d'Hilbertation. Tréfonds de la mer de nuages est parsemé de tornades éthérées. Ah ouais? Oh, c'est stylé. Ce remous chaotique d'air et d'eau est si violent que personne ne peut y survivre. Je me demande vraiment comment Hilbert a obtenu les yeux du dragon. C'est Michel Force Blanche. Eh bah oui. Vu l'ampleur des dégâts, il est fort possible que les Asiens soient mêlés de près ou de loin à cette affaire. En tout cas, nous ne devons pas nous morfondre sur ce qui vient de se passer. Au contraire, il nous faut être reconnaissants vers Papa Limo. Krill, je vais encore avoir besoin de tes services. Bien sûr, mais de quoi s'agit-il? Nous allons examiner le cocon de lumière qui est apparu... Ah bah là, il faut aller examiner la grande couille bleue, j'ai dit. Il faut aller la palper. Pardon. On va examiner le cocon de lumière. Et vérifier le degré de conscience du primordial. En alliant mes connaissances en hétérologie et ton pouvoir de l'écho, nous devrions obtenir des informations très intéressantes. D'accord, je peux pas affirmer avec certitude que je parviendrai à lire dans les pensées les plus intimes de cette créature, mais je ferai tout mon possible pour y découvrir quelque chose qui pourra nous servir. Excellent. Dans ce cas, mettons-nous immédiatement au travail.
Au revoir, Yashtola. Eh, attendez, vous deux, on n'a pas fini de... laisse-les agir à leur guise. Elles savent ce qu'elles font, et il serait trop douloureux pour elles de rester inactives. Leur chagrin ne ferait que croître, comme celui de la pauvre Ida, qu'elle cherche à consoler. J'ai moi aussi le sentiment que je dois agir afin de rendre hommage à Papa Limo. Je vais me replonger dans mes vieux livres pour trouver un moyen d'éviter la catastrophe promise par ce cocon de lumière. C'est vrai. Nous aurons beau pleurer toutes les larmes de notre corps, ce n'est pas ça qui nous fera aller de l'avant. Ouais, c'est la raison pour laquelle nous devons nous concentrer sur nos objectifs. Il nous faut nous préparer au mieux à ce qui nous attend. Car ce n'est qu'ainsi que le sacrifice de notre ami prendra tout son sens. C'est la merde. Il n'y a même pas un petit teaser. Oui. Genre ? Il n'y a pas de teaser, rien. Ça veut dire qu'il faut continuer. Mais... Ah ! Ouais, attends, c'était quoi ? Tel maître, tel disciple ? Tel maître, tel disciple. C'est ça, la dernière quête ? C'était... maître et disciple. Ah, maître et disciple. Ouais, la quête maître et disciple. Alors, attends. Bah, de toute façon, niveau au fait, le prochain, c'est le fil du destin. J'imagine. Ouais, au confin du destin, c'est ça ? Au confin du destin, la prochaine quête, ouais. Ouais. Non, la quête finale du fil du destin. Ouais, la quête finale, ouais. Mmh. Oui, c'est ça. Bah, au pire, Alizé, c'est un allié inattendu. Voilà. Mmh. Il y avait Shid ! Oui, il y a Shid ! Le prince des flammes ! Ouh. Et du coup, j'ai le temps que tu regardes, moi je vais regarder ce qu'elle vaut la carte du faucon. Hein. Du griffon. Mmh. 1, 4, 8, 8. Oh. Ouais. Pas mal. Pas mal, pas mal. Oh d'ailleurs, rien à voir, mais je vois. Oui. Non, mais c'est qu'il reste 4 quêtes, en fait. Ça ferait un tout petit live la fois prochaine, c'est dommage, quand même. Le mec absolument casse-couille. Non, mais comme ça, la prochaine fois, je commencerai les quêtes de classe. Non. Ouais, mais c'est chiant. Ah ouais, mais comme ça, voilà. Vous aurez l'occasion... C'est le cliffhanger, faut revenir la prochaine fois pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la couille bleue. Bah ouais, où est les mecs ? Oui. Bon, je disais le mec. D'accord. Non mais ouais, après moi ça va me faire tard et tout. Oui. Et voilà. Donc, mais avant de se quitter, on va faire deux choses. Tu vas faire rapatriement à la maison. Pas à la maison. À l'hôtel. Ça, parce qu'il n'y a pas encore maison. Ouais. Je vais aller voir quelles sont les deux musiques qu'on a débloquées du coup. Mm. Et après, bah, je vais vous montrer la gueule du chocobo de l'affaire. Ah, oui. Oui. Parce qu'on dit ça va de la merde, ça. Non, par contre, il y a un truc où c'est très drôle. Il y a un autre truc où c'est très drôle en monture, mais bon. Ce Castrillon. Nozerbrick. Ok. L'autre c'est Forever Lost. Ouais. Oh.
cette musique. Ouais. Cette musique. Non, je peux pas la laisser, c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est mieux. Oh. Musique teaser de bientôt. D'ailleurs, on la chope dans le pilier des cieux, je l'ai eu tout à l'heure. Ah bah, j'ai. Ouais, moi je l'ai vu à l'HV, elle était à genre 400 PO. Du coup, oui, c'est ça. C'est ça. Du coup, je me suis dit, bon, bah ben, voilà. Ça, clairement, ça annonce le thème d'une future chambre ou d'une future maison, pour moi. Ah bah, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Je vois absolument pas du tout ce que tu veux dire. Il y a un peu genre. Alors, pour le coup, on va passer sur Miss Lalafell. Et est-ce que c'est possible, genre, qu'on se retrouve quelque part, qu'on fasse une comparaison de Chocobo? Oui. Non, parce que pour donner vraiment une comparaison. Parce que bon, si je sors le Chocobo là, je vais dire, ah oui, c'est petit, mais bon, voilà. Alors que quand il y a un autre Chocobo à côté, tu dis, ah ouais, c'est quand même vachement petit. Oui. Du coup, tu vas où? Tu es où, comment? À quelle heure? Déjà, hop, il y a encore des gens. Il n'y a plus personne. N'importe où. T'attends bah, retour à Quartas. Quartas, qu'est-ce que tu veux? Hop. C'est parti. Donc voilà, le fameux Chocobo de Lalafell. Bon, déjà. Déjà, je me fais un torticolis en te regardant, hein. Ça passe, on va pas les coller. C'est quoi ce machin? Bah. Hop. Voilà. Mais moi je monte dessus, je le pète en deux le truc. Ce chocobo de mini pouce. Je peux voir la marque dessus, il y a Playmobil. C'est un chocobo en plastique en fait. Quand tu le presses, ça fait quoi? Ah mais tellement. Ah mais date modèle réduit quoi. Ah putain. Oh, on a vu le. Oh, putain. C'était un Rogaline. Ah ça, Michel? Putain. Ah mon dieu. Non, c'est. Ah non, c'est un aura. La vache. Ouais, des auras. Tu vois, c'est grand, hein, des auras. Ouais, c'est quand même super grand. Ah ouais, vache. Lui, c'est un aura aussi, lui? Même... Ouais, ouais. Même moi, ah, je me sens petit à côté. Oh putain. Ah, mais c'est force orange, quoi. Eh, je peux passer dessous sans me baisser. Ok. Et ouais, et du coup, l'autre truc, moi, ça m'a fait beaucoup marrer. C'est ça. C'est la Majorette. Dès que j'ai mis ça, ça m'a fait penser au. Tu sais, quand tu rentres dans les magasins, les petits manèges, tu sais, qui tu ressors là. Alors, t'as pas 50 centimes, je vais faire un tour de manège là. Ouais, exactement. C'est. Oh, parce que quand même. Voilà. Mais c'est tellement ridicule. Voilà où on en est. C'est. Oula.
Ah, mais c'est modèle réduit, quoi. Ah non, si, il y a lui aussi qui est pas mal. Lui, il est pas mal. Parce que là, on se dit, ouais, ça va, c'est pitié. Mais avec un vrai à côté. C'est là, c'est vraiment du mini. J'ai pas le vrai. Ah, c'est dommage. Oh, j'ai ça, par contre. Lui, par contre, celui-là. Ah ouais, mais je peux... Non, ça va. Ah, ouais, d'accord, ouais. Ok. Il change pas de taille. Non, lui, ça va. Mais par contre... Ils ont quand même fait honneur au Behemoth, le pauvre. Lui. Voilà, voilà. Oh mon dieu. Ah mon dieu, mais elle est là, la Fel, quoi. Rien que pour ça, je suis content d'avoir monté à la Fel au moins à ce niveau-là. Ah, mais le fou rire que je me suis tapé quand j'ai vu ça tout à l'heure. Je l'ai vu ce matin. Voilà. Autant dire que en étant debout, t'es plus grande que mon griffon. Ouais, c'est ça. Bon, y a les oreilles qui dépassent, mais enfin les oreilles. Ouais, sans compter les oreilles, ouais, tu fais la taille de mon griffon. C'est voilà. Voilà, voilà. Et je suis sûr que debout, t'es plus grand que mon chocobo, quoi. Mais sérieux. Ah, c'est magnifique. Je serais curieux de voir la taille du Fenrir. Oh, j'avoue. Ouais, non, mais je vais pas refaire un million, c'est sûr. Bon, après, je peux faire pop des trucs qui te feraient sentir vraiment petit, hein, mais... Mille dieux. Putain. Ah bah, je suis obligé de lever la tête, toi, donc, pour regarder, donc c'est chiant. Ah, je... Ouais, c'est un truc qui est super grand, hein, la vache. Ouais, je fais la taille d'une patte, quoi, c'est... Ouais, c'est... Putain. Ah mais mon dieu, quoi. Ah mais je jure, juste pour le plaisir et le fou rire que je me suis tapé en voyant ça, je suis content d'avoir monté à la fin. Alors lui, par contre, du coup, il change pas de taille, je crois. Ah, j'ai pas l'impression, non. J'ai pas l'impression. Bah du coup, ça fait encore plus la brigade d'intervention. J'aime bien. Manque les petites roulettes sur le côté, on est bien. Ah, oh, comme à la Funfest, il y avait un cosplay d'Alfino et ouais. Il tractait son carbuncle en pluche derrière. Le machin était sur une planche à roulettes, c'était n'importe quoi. Ah, oh, faut que je cherche. Mais voilà, du coup, les montures en Lalafell. Ce grand moment, tu vois, c'est... Je me demande si l'armure Magitech, elle sera miniature aussi. Oh, j'avoue. Faudra voir, faut que j'avance. Parce que là, c'est grand quand même. Ah ouais, c'est fait. Ah, je peux lustrer la version Goldu. Je peux lustrer la griffe devant, mais c'est tout. Hein. Le reste, tu te démerdes. Hein. Et le gold, tu l'as chopé comment? Je crois que c'est en... En faisant quoi, d'ailleurs? Ah, c'est pas les honneurs? Au truc de Ophé. Je l'ai chopé au truc de Ophé, mais je sais plus ce que j'ai fait. Peut-être il me semble qu'il y en a une avec les honneurs. Là, ça, c'est Chocobo. Ça, c'est couronne. Ça, c'est robe nulle. Je crois que je peux les voir. C'est le Magitech type C. Oui, je crois, oui. Bah, c'est ça. C'est 500 honneurs. D'accord, ok. Bon. Bah, et ouais. À 3000, t'as le chocobo de parade si tu veux. Voilà, voilà. Ouais, bah, écoute, hein, ouais. Ouais. Non, mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est juste magique. J'ai l'impression de me balader avec des Playmobil, donc c'est quand même très très drôle. Ouais, ça va. Regarde, il est à côté.
J'arrive à son genou. Oh, je fais ça de la taille de sa mascotte. Ouais, c'est pareil. Tellement. Ah, mon Dieu. Seigneur Dieu. Ah, mais je suis sûr que... je vais trouver des mascottes plus grandes que moi. Je suis sûr. Je suis sûr que ça se trouve. Et ce qu'on saura pas, c'est qu'en fait, c'est lui l'aventurier. Moi, je suis la mascotte. C'est ça. Parce que j'ai pas regardé avec cela, mais... Ouais, ils sont quand même assez petits. Putain, ils m'arrivent aux épaules, quoi. Sérieux. Oh. Remporter un duel de triple triade contre 41 PNJ différents, carte hors chevant. Bon, oh, ben je vais me battre aux cartes. 60 PNJ différents, quartier Ashtola, Evensward. Et ça, je peux pas le dire, ça se obtenir 150 cartes, carte sans cred à Evensward. Oh. Ah. 100 cartes 150. Ah, 150, c'est quand même bon. Ça suit. Bah, moi, je suis loin du compte, hein. Je suis à 90. Je crois que je suis dans les 50 par là, 50, 60, un truc comme ça. Ouais. Mais enfin. Bon. Et bah, du coup, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Ça, encore gros épisode aujourd'hui, putain, il s'est passé tellement de trucs en plus. Ouais, la prochaine fois aussi. Tiens, ouais, beaucoup. Bah, j'imagine qu'on va se friter contre Michel Coulbleu. Ça la merde. Ouais. Et je pense que c'est pas nous qui nous y collons. D'accord. Bon, et bien on verra ça. Mais c'est la merde quand même. Oui. Bon. Et ben merci à toi, Blue, pour la compagnie, comme d'habitude. Bah, toujours un plaisir. Et plaisir partagé, très clairement. Et du coup, bah, la suite, alors pour le coup, à partir de demain à dimanche, je sais pas quand, s'il y a des lives ou pas. Je vous tiendrai au courant sur Twitter, sur Discord et Twitter, de toute façon, s'il y en a. Partez dans l'optique que peut-être pas. Mais au cas où, voilà, je vous dirai si jamais il y en a. Du coup, au mieux, bah, on se retrouve très, très bientôt. Bah, au pire des cas, on se retrouvera lundi, dimanche soir ou lundi. Et ce sera très probablement l'épisode de Le final de Eventsuaru. Enfin, Eventsuardo, plutôt. Ouais. Ça veut. Eventsuardo. Oh. Et après cet épisode-là, on continuera pas tout de suite l'histoire. Ah oui, parce qu'on va se taper toutes les quêtes de classe. Puisque actuellement... Ouais. Bon, je vais pas repasser sur le passo, parce que ça va faire un chargement, ça va être chiant. Actuellement, j'ai monté toutes les classes sauf Mage Blanc et Astromancien qui sont à 53. Donc, j'ai bon espoir que d'ici là, elles seront 60. Et on va avoir toutes les classes à faire. Et ça va être trop bien parce qu'on va débloquer plein d'armures de classe et j'ai très très hâte de les découvrir. Plein d'armures, plein de compétences, c'est un bordel. Voilà, plein de choses. Ça va être trop bien. Du coup. Eh bien, on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.